Sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission qui parle. Avec nous ce soir, Claudia Cardinal, Luc Ferry, Juliette, Guillaume Depardieu, la fille de Michel Sardou règle ses comptes, Ariel Dombal, des Noirs dans les camps nazis, Vaina Giocante. Révélation sur Zarqawi, ouais. Le nouveau patron des Verts, ouais. Les L5, ouais. Le blind test de DJ Posca, ouais. Et mon ami Laurent Duffy, ouais. Merci. Ça va Lolo? Ça va et toi? Très bien. Oui. Merci. Et maintenant... Dis-moi quando tu verras. Dis-moi quando. Voici Claudia Cardinal. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Claudia Cardinal est toujours somptueuse. Vous avez déclaré « Vieillir ne me dérange pas, il n'y a rien de plus triste que les femmes qui multiplient les liftings ». Vous pensez que les hommes le voient, Claudia? Tu parles, alors ils sont aveugles s'ils ne voient pas. Bien sûr, moi je vois de très loin. Ouais. Vous, on voit que vous n'en avez pas fait en tous les cas. Hein. Oui, merci. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez pas fait de lifting et que ça se voit, bien sûr. Oui. Alors vous êtes une star énorme, fêtée partout. Vous dites que c'est le temps des récompenses. Et c'est vrai que tous les festivals vous rendent hommage. Cannes, Hollywood, Venise. Tout le monde salue vos 50 ans de carrière. Mais vous dites... Non, pas encore 50. Ah, 49 et demi. 45. Première gaffe. Ouais. Il y en aura d'autres qui... Alors, vous dites « je ne veux pas entrer au musée ». C'est vrai que vous n'entrez pas au musée, au contraire, vous montez sur les planches, puisque vous revenez au théâtre à partir du 8 février, sur la scène du théâtre de la Madeleine, dans une pièce de Tennessee Williams, qui s'appelle « 12 oiseaux de jeunesse », mise en scène de Philippe Adrien, avec vous, oui. Christophe Raymond, Bernard Verlet. Alors, c'est l'histoire d'une star vieillissante, qui s'appelle Princesse, qui est riche, et qui partage sa vie avec un jeune acteur raté. Bon, je crève de peur, je suis déjà morte, je suis momifiée. L'idée que dans 2 semaines, je vais être là-bas, quoi. Ouais. Moi, j'ai toujours la trouille, j'ai toujours très peur. Ouais. Ça a commencé, les cauchemars? Mais les cauchemars, c'est-à-dire du que... Du théâtre? Non, mais moi, ça... Vous savez, même au cinéma, j'arrive 3 heures avant les techniciens. Ah oui? C'est une habitude. Vous étiez là aujourd'hui, vous étiez là cet après-midi vers... Elle a nettoyé toute ma loge. Génial.
Non, mais c'est quoi l'histoire de cette pièce? C'est quand même intéressant, là, la pièce. Oui, c'est très intéressant. Ce qui m'a fascinée, c'est justement c'est l'histoire d'une star qui pense naturellement que son succès dépend de la jeunesse. Donc, elle commence à se droguer, à boire, et complètement, mais alors, folle. Elle rencontre ce jeune homme et elle l'utilise un peu parce que ce qu'elle aime, c'est aussi faire l'amour. Bon, moi, c'est pas du tout... c'est-à-dire, moi, je suis pas du tout comme ça. Ah bon? Non. On annule? Oui, d'un seul coup, rien. D'un seul coup, ça perd beaucoup de son intérêt, cette affaire, là. Dans le sens que je suis pas du tout une star. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, rien du tout, si c'est ça, alors... Oui, je voulais dire ça. Oui, d'accord. Donc, vous avez découvert le théâtre à 60 ans, avec une pièce qui s'appelle La Vénitienne. Mais pourquoi vous devez dire toujours l'âge? Ah oui, d'accord, je dis pas. Bon. Vous avez découvert le théâtre... À la soixantaine. Il y a quelques années. C'est pas exactement comme ça. En mai 2000, disons, on peut dire en mai 2000, Claudia, dans une pièce qui s'appelle La Vénitienne au Théâtre du Rond-Point. Alors, il y avait Catherine Allégré dans cette pièce. Oui. Il y a quel âge? Mais pourquoi vous dites toujours l'âge des femmes et pas des hommes? Bah, c'est un truc qui nous a appris ce soir, parce que d'habitude, on fait pas ça. Oui. Vous avez lu le livre de Catherine Allégré? Oui. Vous en avez pensé quoi? Bah, écoutez, Catherine, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Non, mais dis simplement sur la 3, je suis scandalisé. Au montage, on va se démerder, nous. Moi, je crois que les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Ouais. Alors, la Vénitienne, c'était déjà l'histoire d'une femme d'un certain âge, disons, qui s'amourachait d'un jeune homme. D'un âge certain, dirons-nous. La soixantaine, quoi. Ouais. Oui, il y a aussi un petit jeune. Ouais. Il y a toujours des petits jeunes, vous. Stéphane Metzger, qui était là, oui. Non, moi, je ne suis pas toujours avec petit jeune, non. Non. Dans sa gueule. Bien des années plus tôt, Visconti, vous avez proposé de faire du théâtre. À l'époque, vous pensiez que vous n'étiez pas prête. Pourquoi? Ben, d'abord, avec ma voix à la Louis Armstrong, je pensais que personne ne m'entendrait. Et puis, moi, j'ai toujours très peur. J'ai fait plus de 150 films. Mais pour moi, c'est toujours le premier. Il y a quand même au cinéma, vous avez peur. J'ai toujours peur. Et au théâtre, finalement, c'est quoi qui vous a décidé finalement à vous lancer? Parce que la caméra est quelque chose de rigide et de froid. Tandis que quand tu te trouves sur la scène... Tu sens la respiration des gens. Parfois la laine. Si au premier rang, ça arrive. C'est vrai? Ça arrive. Mais j'ai pas dit de bêtises. Il y a des gens qui puent de la gueule qui vont au théâtre, on peut le dire. C'est pas un secret, hein. Sur le nombre, c'est normal. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Ouais. Bien, alors vous racontez ça, comment vous avez refusé de faire du théâtre à Visconti, c'est quand même énorme. Oui, Streller, et puis de... Et voilà. J'ai même refusé de faire une comédie musicale à Broadway. Ouais. Ah ouais, j'ai toujours refusé. Ouais. Et vous racontez tout ça dans un livre qui sort chez Michel Lafon, qui s'appelle « Mes étoiles », et qui parle de ceux qui ont compté pour vous. C'est ça, vos étoiles, c'est ceux qui ont compté pour vous. Oui, c'est toutes les étoiles que j'ai rencontrées le long de ma carrière. Alors, Visconti, Fellini, Sergio Leone, Mastroianni, Burt Lancaster, John Wayne, Brando, enfin voilà, il y en a encore plein d'autres. Steve McQueen, Gary Grant... Que les vieux. Alors, j'ai lu votre bouquin, Claudia, j'ai trouvé ça très intéressant comme histoire. Ah bon? Vraiment. Vraiment? Vraiment très intéressant. Vraiment... Je vais essayer de faire partager à mes amis téléspectateurs l'intérêt que j'ai eu pour ce livre, absolument. Ah, c'est très intéressant. Alors ça commence à Tunis. Hein. La naissance à Tunis, puisque Claudia est née en Afrique, comme tout le monde le sait. En quelle année? Il n'y a pas d'année. J'ai pas l'année sur mes fiches. Alors dites-moi votre année de naissance. 58. 58? Ouais. Ah, moi je suis née un petit peu avant. 56? Il est quoi? Oh, what are you? Oh! Vos parents sont nés en Tunisie, mais vos grands-parents étaient de purs siciliens. Oui, trois générations. Voilà. On est arrivé avant les Français. Oui. Alors, à l'époque, la Tunisie était française, et pour beaucoup de Français, l'Italie restait, dites-vous, un pays fasciste. Alors, il fallait faire profil bas quand on était italien en Tunisie à l'époque de votre naissance. C'est-à-dire que d'abord, à l'école, on ne vous appelait pas Cardinale, mais Cardinal. Cardinal, oui. Voilà. Et puis, Claudia, mais Claude. Alors, la Tunisie, à l'époque, était un protectorat français, mais il y avait l'indépendance qui se profilait à l'horizon. Et un garçon débarque là-bas, René Vautier, 26 ans, qui militait, caméra au point, et il voulait raconter la vie des marins tunisiens. Ouais. Il n'arrivait pas à avoir des femmes tunisiennes dans son film, mais il vous Absolument. A choisi, voilà. Oui, j'étais une femme voilée. Ouais. Et puis le dernier
plan de ce documentaire, c'est un coup de vent. Et là, ça finit avec le gros plan. Le film a eu un très gros succès au Festival de Berlin. Il a gagné tout ça. Voilà. Après, il a été diffusé dans tous les cinémas de Tunis. Absolument. Et vous êtes devenue une célébrité locale. Voilà, juste à cause de ce voile qui se soulève comme ça à la fin du film. J'avais 15 ans, ouais. J'étais encore au lycée. En quelle année ça? Oh, ça suffit, hein. Qu'il est con. C'est le destin, ça, franchement, non? Ouais, Mektoub. Hein? Mektoub, là, franchement. Ouais. Hein. Ensuite, Jacques Baratier vous propose Goal Simple, qui est le premier film d'Omar Sharif. Lui, il avait 24 ans et absolument. Vous 17. Ouais. Comment il était, Omar Sharif, quand il avait 24 ans? Beau, oui. Ouais. Mais t'es mariée à l'époque déjà, non? Ah ben j'en sais rien. Moi, je parlais pas. J'étais une sauvage. Ah bon? C'est pas que j'allais discuter avec lui pour savoir si t'es mariée ou pas. Ouais. Alors, la même année, en 56, vous faites un concours de beauté organisé par Unitalia, qui est je une... Je fais pas un concours de beauté. Vous le faites pas, en fait. Vous faites pas le concours de beauté. Vous allez avec votre mère dans la salle du concours de beauté. Vous vous occupez des billets de tombola avec votre mère. Ouais. Et c'est un concours qui est organisé par Unitalia, qui est un peu comme Unifrance Film, c'est qui fait la promotion absolument. Du cinéma italien à l'étranger. Ouais. Et à ce moment-là... Quelqu'un me tire c'est ça, et ouais. me porte sur scène. Voilà. Et j'ai été élue la plus belle Italienne de Tunisie. On m'a offert un voyage pendant le Festival de Venise. Ouais. Et le premier film que je vois à Venise, Nuit Blanche avec Visconti. Et voilà. Alors finalement, vous acceptez la proposition d'Unitalia de venir à Rome. Vous allez à Rome, ouais. vous étudiez le cinéma dans une école. Vous vous ennuyez un peu, vous êtes un peu dépressif. Quoi. J'avais froid. Il n'y avait pas que ça. Ouais. Non, il n'y avait pas que ça. Ouais. Il y avait aussi l'autre histoire, c'est-à-dire ce type à la voiture noire, qui quand même occupait toujours votre esprit, non? Ben, il n'occupait pas mon esprit. Mais enfin, c'était un peu une angoisse. Ouais. Vous avez été violée à l'âge de 16 ans par un Français, dont vous avez toujours refusé de dire le nom. Et vous continuez à le voir malgré tout. Hein. Oui, je voulais me punir. C'était pour vous punir ou alors parce que le fait de continuer à le voir, finalement, c'était plus un viol puisque vous continuiez à le voir? Non, c'était pour me punir. C'était pour vous punir? Oui. Alors là, quand même, vous êtes assez dépressif, vous pensez au suicide à cette époque, hein? Oui, c'est très, très mal, oui. Voilà. Et puis donc, en 1958, vous découvrez que vous êtes enceinte de ce type. Vous refusez d'avorter, vous repartez à Rome où vous signez un contrat avec Franco Cristaldi, qui est un producteur important à l'époque en Italie. Et là, vous tournez Le Pigeon de Monicelli, qui est un film magnifique, qui a eu un succès colossal. Premier film avec Mastroianni, Gassman, Toto. Ouais. Les plus grandes stars de l'époque, quoi. Et là, vous devenez en quelques mois la petite fiancée de l'Italie, quoi. Oui, en plus, je parlais pas un mot d'italien. Donc, je comprenais rien. J'avais l'impression d'être sur Mars ou sur la Lune. Ouais. Et donc, je parlais français à l'époque. Ouais. Vous faites trois films, là, jusqu'au septième mois de votre grossesse. Et à ce moment-là, effectivement, on pouvait plus tourner parce que ça se voit terriblement. Et là, Franco Cristaldi, vous organise finalement un voyage à Londres en disant qu'il y a un projet ultra secret dont on ne peut pas parler. Et vous allez accoucher à Londres. Et il vous ordonne de dire que cet enfant n'est pas votre fils, mais votre frère. Oui. Et pendant des années, vous raconterez ça vous aussi. Parce que moi, je ne savais pas que quand on signait un contrat, on était prisonnière. Ouais. J'étais très jeune, j'avais 20 ans. Ce qui est tout à fait notable dans votre histoire, Claudia, c'est que vous êtes soumise dans un premier temps au type à la voiture noire. Pour vous en échapper, vous allez à Rome, vous gardez votre enfance qui vous honore évidemment. Mais ensuite, vous devenez aussi très très soumise à Franco Cristaldi. C'est-à-dire que vous quittez une soumission pour une autre. Mais le problème, c'est que moi, j'ai accepté de faire du cinéma justement pour affronter le problème moi-même. Parce que j'en avais parlé à personne. Donc pour moi, je vais à Rome, je fais un contrat. Et voilà, et je pars. Vous avez du mal quand même avec lui, avec ce Franco Cristaldi là, parce que vous n'arrivez même pas, vous dites, vous racontez ça, vous n'arrivez pas à l'appeler Franco, vous l'appelez Cristaldi. C'est-à-dire que vous l'admirez, mais vous ne l'aimez pas, on voit bien. Non, c'était un homme très cultivé, très intelligent. C'était c'est un des producteurs les plus importants d'Europe. Hein. Ouais. Oui. Mais il était très obsédé par son travail aussi. Hein. Oui. Vous dites que la seule chose qui l'intéressait, c'était son immeuble avec ses bureaux. Oui, je pense. Alors un jour, vous décidez de dire la vérité à votre fils, qui prend le nom de Cristaldi, puisque vous aviez épousé entre-temps Franco Cristaldi à Atlanta. C'est-à-dire que c'est pas que je l'ai épousé, c'est-à-dire que ça a été un piège.
Il avait tout organisé, moi j'étais pas au courant. Oui, un jour il arrive, c'est à Atlanta, un jour il arrive, il dit on se marie. Ouais, voilà. Et vous avez rien pu faire? Ben, c'était déjà tout organisé. Mais le mariage n'a jamais été déclaré autre part. Ouais. Donc je me suis jamais mariée. Ouais. Voilà. Donc vous avez été piégée un petit peu affectivement et financièrement par ce... Par ce Cristaldi, d'une certaine façon. Ah oui, parce que je faisais 4 films par an, je gagnais des sommes folles et moi, on me payait comme une petite employée. Voilà. Et voilà. Et ça, je l'ai fait pendant 17 ans. Alors, vous allez faire des tas de films. Entre 1958 et 1973, vous allez faire 50 films, dont Le Guépard, 8 et demi, La Viaccia, La Panthère Rose. Alors, vous faites aussi Le Plus Grand Cirque du Monde avec Rita Hayworth. Et il y a cette phrase terrible, c'est-à-dire qu'un jour, vous la voyez arriver sur le plateau, elle était déjà assez âgée, ouais. Elle picolait pas mal, elle avait des bleus sur la gueule, ouais. Et elle vous dit, moi aussi, j'ai été belle. Oui, ça a été terrible, terrible. Ça m'a fait pleurer. Mais, vous savez, ce métier, si tu es fragile, il vaut mieux ne pas le faire. Oui. Vous faites aussi Les Professionnels, ouais. Cartouche, Les Pétroleuses avec Brigitte Bardot. Oui. Alors ça, c'est très marrant ce que vous racontez sur Brigitte Bardot parce que, en fait, vous devez vous battre contre elle. Oui, oui. Et vous vous retrouvez en train de vous battre contre un figurant espagnol, oui. En fait, un homme. Oui, parce que moi, j'ai toujours fait dans tous mes films tous les effets spéciaux. Oui. Même trapèze, cheval, tout parce que je suis une grande sportive. J'adore le sport. Mais vous êtes un peu garçon manqué quand vous je êtes... Je suis un garçon. Ah. Oui. Ah, là, c'est d'un seul coup, ça vous rend encore plus excitante, je veux dire. Là, d'un coup, effectivement... Non, simplement parce que j'ai toujours voulu prouver que c'est pas vrai que les femmes sont faibles. Voilà, c'est pour ça que je me comportais comme ça. Et donc, vous vous battez avec ce figurant, et puis, au bout d'un moment, vous vous dites, c'est pas possible, je dois me battre contre un mec, il a des poils sur la poitrine, ouais, tout oui, ça. Oui. Et vous allez voir Bardot, et vous arrivez à la convaincre, c'est quand même génial, de vraiment se battre contre vous. Elle avait peur, hein? Oui, parce que tout le monde disait que j'étais un mec, parce que moi, je m'entraînais, je faisais de la boxe, je faisais tout. Oui, j'ai tout fait, athlétisme, basket, volley, tout. Mais là, on s'est bien amusé. Et alors, vous lui avez fait mal, non? Pas du tout, non. Elle était contente après? Mais non, parce qu'on s'était entraîné. C'est-à-dire que quand tu donnes un coup de poing, il faut que tu bouges ton visage au même moment, sans que tu le touches, quoi. Alors, c'est fou, parce que quand je lis votre bouquin, le nombre de mecs auxquels vous avez résisté, c'est extraordinaire. Marcello Mastroianni. Vraiment, qui était quand même le mec le plus séduisant du monde, quoi. Et il a d'ailleurs dit, avant sa mort, « J'ai toujours été amoureux d'elle, mais elle ne m'a jamais cru. » C'est-à-dire qu'en fait, il a passé sa vie à vous déclarer son amour, quoi. Vous y croyez toujours pas, là? Oui, il me l'a toujours dit, il me l'a toujours dit. Mais moi, je suis pas du tout une femme facile. Ah bah apparemment, je tombe pas dans les pièges. Ah oui? Ouais. Pourquoi oui. vous pensez toujours que c'est un piège? Il peut être sincère, le mec? Oui, mais moi, je ne suis pas pour les flirts et les aventures. Ah, d'accord. Moi, je donne de l'importance à un rapport très puissant, très fort. Passion. D'accord. Ce n'est pas la femme d'un soir. Voilà. Non, pas du tout. C'est pas grave, il y a d'autres invités, on va se rabattre. Il y a Luc Ferry. Alors, vous avez résisté à Marcello Mastroianni, à Brando. Comme extraordinaire, quand même. La scène avec Brando est terrible dans votre bouquin. Là. Quand vous marchez vers lui, vous regardez, il est comme ça. Il a eu tout le monde, Brando. Oui, tout le il monde. A eu Marilyn Monroe, James Dean, il a eu tout le monde. Et il vous voit arriver et vous jaugez comme ça. Non, en plus, c'était dans ma suite au Beverly Hills à Hollywood quand je tournais là-bas. Donc il est monté, il a fait tout son numéro à Actor Studio et il savait très bien que pour moi, lui, c'était un mythe parce que c'était mon acteur, ça a toujours été mon acteur préféré. Mais ça a été amusant parce que on s'est regardé après qu'il a fait tout son numéro et on s'est mis à rire. Et voilà. Il m'a dit voilà, j'ai compris, tu es bélier chez Bélier, tu tombes pas dans le piège. Voilà. J'ai dit non, je tombe pas. Bélier aussi. C'est apparemment ça. C'est quel jour, Claudia, toi? Le 15 avril. 18. Ah bon? Quelle année? Alors, j'ai 65 ans. Mais arrête, on s'en fout, ça te va? Je sais même pas pourquoi t'en parles, t'es obsédé par l'âge. Hein. Donc, vous avez résisté à Marcello Mastroianni, à Marlon Brando et à De Niro. Énorme. Ben, vous savez, dans la vie, dans la vie quand même. Quand il y a un mec qui te court après et que tu le regardes pas, il continue à te courir après. Ouais. Si tu dis oui. Oh, je déteste ce genre de foutu. Ah, ça, c'est les gonzesses que tu peux jamais sauter. Tu vois le genre? Ça, c'est les gonzesses du Midi, du Sud, de l'Italie, tout ça. Elles sont comme ça. Le regard dédaigneux
que portent les filles comme vous sur un mec qui veut les sauter, c'est terrible. Ouais, je vois, là, ben là, vous me le faites. Là, parce ouais. qu'elle voit que... Ça m'énerve. Bon, alors vous résistez à tout le monde, mais quand même... Elle cède quand même pas mal. Elle cède, ben à un moment, elle cède. En 72, vous cédez à Pasquale Squitieri. Squitieri. Vous voulez faire le film, mais c'est lui qui veut pas. Il veut pas parce qu'il veut pas, il voulait pas une star. Voilà. Il dit, ça, ouais, star, voilà. Voilà. Et ça, ça vous a excité, ça? Non, parce que, bon, il est d'abord très beau, et donc j'ai décidé que c'était lui, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'il avait de plus que les il autres? Il était très beau, elle vient de le dire. D'accord, mais enfin, Marcello Mastroianni, Marlon Brando et Robert De Niro, ils sont très beaux aussi, hein. Oui, parce qu'il était mieux. Ah, mieux? Ouais. Voilà. Et en plus, il était... En plus, c'est un fou déchaîné. Ouais. J'aime les fous. Ouais. C'est un homme... c'est vraiment... Mais qu'est-ce qu'il a? Non, mais dites-nous, nous, on va faire pareil. Mais non, je vais pas vous le dire. Ah. En tous les cas, vous le poursuivez jusqu'à New York. Oui. Vous qui avez été tellement fière toute votre vie avec les mecs, d'un seul coup, vous, c'est vous qui le harcelez, quoi. Oui. Hein? Parce que j'avais décidé que c'était lui. Ah oui, d'accord. Donc je suis arrivée avec ma petite valise à New York. Voilà. Je savais même pas où il était. Mmh. J'ai passé un coup de téléphone à un copain. Voilà. Et il était là. Ouais. Alors j'ai dit, je suis à New York. Il a failli s'évanouir. Qu'est-ce que tu viens faire? Je t'attends, viens à l'aéroport. Voilà. Voilà. Il est venu. Il est venu, oui. Et, ça, et depuis, ça dure, hein? 30 ans. Ah ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, votre producteur, là, Franco Cristaldi, vous pensez qu'il était détaché, qu'il allait se montrer compréhensif? Pas du tout. Il rentre dans une colère noire, et il vous flingue dans le métier. Enfin, oui, il essaye. Parce que je, bien sûr, j'annule le contrat, je rends le contrat et tout ça, quoi. Et je me retrouve avec des centaines de millions d'impôts à payer, parce qu'ils n'avaient même pas payé les impôts, alors que moi, j'étais payé trois fois rien. Mmh. Voilà. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'à cette époque-là, même Visconti, à un moment, il devait vous prendre dans l'innocent, et il ne vous prend pas parce qu'il est pote avec Franco Cristaldi. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, c'est dur dans ces cas-là. Mais oui, parce que c'était le plus grand producteur. Mais bon, avec Luchino, on a toujours eu un rapport absolument extraordinaire. C'est-à-dire que ça ne nous a pas empêchés de voyager ensemble et d'être très unis. Alors Claudia, on l'a vu, vous êtes très très italienne, donc on va vous faire une interview Rital. Claudia, est-ce que comme une vraie italienne, vous êtes jalouse? Non. Est-ce que comme une vraie italienne, vous aimez bien les machos? J'aime les fous, les mecs, oui. Mmh. Est-ce que comme une vraie italienne, vous êtes possessive avec votre fils? Pas du tout. Ah oui? Pas du tout. Il fait ce qu'il veut? Moi, mes enfants, ils ont vécu tout seuls à 14 ans. Ah oui. Je leur ai donné toute la liberté. Parce que je suis une femme libre, moi. C'est pas un peu tard, 14 ans? Ben, je pensais que c'était bien. Est-ce que, comme une vraie Italienne, vous faites sécher votre linge au balcon? Non. Est-ce que, comme une vraie Italienne, vous êtes fière de vos rondeurs? De mes rondeurs? Ouais. Mais je suis pas ronde. Et voilà. Est-ce que comme une vraie Italienne, vous êtes laissée un petit peu aller quand vous avez été mariée? Je me suis jamais mariée d'abord. Est-ce que comme une vraie Italienne, vous mangez des pâtes tous les jours? Non, je mange très peu, je mange comme un petit oiseau. Est-ce que comme une vraie Italienne, vous êtes croyante? Oui, je suis catholique. Est-ce que vous finissez toutes vos phrases par « vaffanculo » ? Non. Ça, je peux le dire, « vaffanculo » aussi. Ouais, mais c'est pas habituel, quoi, c'est pas... Ouais. Oui. Est-ce que comme une vraie Italienne, vous êtes un membre de la famille dans la mafia? Non. Non. Vous avez un grand frère qui est un peu trop protecteur, non? Non, c'est moi la plus grande. D'accord. Donc c'est moi qui les tiens comme ça. Est-ce que comme une vraie Italienne, vous allez au stade le dimanche? J'adore le foot. Ah. Est-ce que comme une vraie Italienne, vous tombez dès qu'on vous bouscule dans la surface de réparation? Non, je tombe pas. Voilà, Claudia Cardinal, Mes étoiles, c'est publié chez Michel Lafon. Et puis au théâtre, dans 12 oiseaux de jeunesse, au théâtre de la Madeleine. Et maintenant, voici Luc Ferry.
c'est là, non, c'est là. Hey. C'est là. Ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau. Parce que quoi. Vous le trouvez comment, Luc Ferry? À part la coupe. Ah, j'aime bien. Moi, j'aime bien ses cheveux comme ça. Ah, ça vous plaît? Ah, c'est gentil, ça. Ouais. Ça me plaît. Ouais. Bon. C'est déjà pas mal parce qu'elle a quand même refusé Marcello Mastroianni, Marlon Brando, Robert De Niro. Et donc vous, elle vous trouve bien. Bon espoir. Bon espoir. Luc Ferry, donc vous avez été pendant 2 ans ministre de la Recherche, de l'Éducation, des Universités et de la Jeunesse, jusqu'au 31 mars 2004, où vous avez été remplacé par François Fillon, qui a beaucoup de problèmes en ce moment lui aussi, hein. Ah bah il se marre pas, Fillon. Hein. C'est plus facile de changer le ministre que les syndicats. Ça, c'est vrai que ça va plus vite. Ouais. Voilà. Alors aujourd'hui, vous racontez votre expérience de ministre dans un livre plaidoyer où se mêle le récit de votre aventure et quelques réflexions philosophiques. Ça s'appelle « Comment peut-on être ministre ?» C'est publié chez Plomb. Alors, on va prendre les choses au début. À l'arrivée, quand vous arrivez comme ministre au départ, vous êtes plein d'enthousiasme. Pour vous, c'est nouveau, c'est formidable. Rester enthousiaste pendant les 2 années, parce que c'est vrai que c'est un métier, si j'ose dire. Enfin, c'est peut-être pas un métier, mais une fonction passionnante. Oui, ça, j'ai pas perdu l'enthousiasme, même à la fin, oui. Au départ, quand vous arrivez, vous êtes très content. Vous vous dites que ça va être formidable, vous avez plein d'idées. Non, attendez, il faut être honnête. On crève de trouille aussi, parce que je suis quand même pas fou. Je savais bien que c'était un métier de chien, que ça allait être extraordinairement difficile. J'avais vu quand même les manifs sous Claude Allègre ou sous François Bayrou, et je savais bien que ce serait pas une partie de plaisir. Mais c'est vrai que j'avais un vrai enthousiasme, parce qu'il y avait des dossiers que je connaissais, qui m'intéressaient, sur lesquels je pensais pouvoir faire quelque chose. Oui. Voilà. Et finalement, non. Alors, on va voir, c'est Laurent. Un peu plus compliqué que ça. Oui, c'est entièrement faux. Il y a quand même eu des trucs. Non, il y a quand même eu des trucs. Tout n'est pas négatif, Laurent. Non, mais ce poste-là est très difficile. C'est la place du mort. Hein, voilà. C'est... Fillon, il se marre pas, là, en ce moment. Hein. Oh, non, il s'en tire bien, plutôt, parce que je crois que c'est la première grève qu'il a. C'est pas énorme. Ouais. En quasiment un an, c'est plutôt pas mal, non? Alors, vous découvrez rapidement, étant ministre, Luc Ferry, que les démocraties sont moins gouvernables que ne le pensent les citoyens. Et vous dites, au fond, les hommes politiques n'ont pas beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, la preuve, c'est que les grands problèmes ne sont jamais réglés. On ne fait que les repousser devant, comme ça, comme un bousier, quoi. Hubert Védrine qui me disait l'autre jour, on avait ce débat sur la question de savoir si les hommes politiques ont du pouvoir ou pas. Il me disait, le métier politique, c'est comme un chirurgien qui devrait opérer un petit garçon très malade, avec, un, toute la famille autour, deux, l'ensemble de la presse, trois, les avocats de la famille, et quatre, tous les confrères, animés, comme on sait, par une haine vigilante, et qui vont dire, attendez, il a la main qui tremble, qu'est-ce qu'il fait? Et donc c'est un peu ça, c'est vrai que c'est devenu très difficile. Je pense pas que les journalistes ou les hommes politiques soient pas à égalité sur la question du courage, ou les grands patrons. Je pense que c'est la même chose. Tout dépend du taux d'exposition qu'on a aux emmerdements, pour être franc, c'est-à-dire notamment, aux médias. Il y a quand même un vrai problème. Ouais. Alors, c'est vrai, vous dites que tous les Français sont d'accord pour qu'on fasse des réformes, sauf quand ça devient négatif pour eux. C'est-à-dire que là, plus personne ne veut faire de réformes, quoi, évidemment. Oui, on est un peu comme des enfants chez le dentiste, c'est-à-dire qu'on on a pas envie d'y aller, on sait bien. Regardez, la réforme des retraites, moi, il fallait que j'annonce à 1 million de collègues, parce que pour moi, les collègues, c'est quand même les professeurs, qu'ils allaient en gros travailler 3 ans de plus pour gagner à peu près la même retraite, alors que pratiquement la moitié d'entre eux n'avaient qu'une envie, c'est plutôt de partir 3 ans plus tôt en gagnant plus d'argent. Donc c'est des mauvaises nouvelles. Quoi. Vous ne pouvez pas annoncer ça, même si c'est absolument nécessaire, et en même temps avoir des gens qui vous sourient ou qui sont contents de ce que vous leur dites. Donc ça, c'est aussi le métier politique, c'est être capable d'annoncer des choses qui ne sont pas toujours agréables. C'est pour ça que tout le monde vous dit « tenez bon, courage » au début. Oui. C'est même inquiétant quand tout le monde vous dit « tenez bon, courage », vous dites… Surtout quand on retire l'échelle en même temps, quoi. C'est ça le problème, ça peut arriver aussi. Oui. Alors, vous dites que c'est encore plus difficile d'être ministre quand on vient de la société civile. Vous dites parce que le président, il préfère des professionnels qui lui doivent tout, qu'un mec qui arrive de la société civile qui lui doit rien. C'est vrai qu'on est des électrons libres, on peut dire n'importe quoi dans une émission de télévision, on risque rien en plus, c'est pas parce qu'on est plus courageux que les autres, c'est parce qu'on risque rien d'une certaine façon, on sait bien qu'on va après retrouver notre métier, tandis qu'un type qui a fait ça pendant 40 ans ou 30 ans et qui sait que sur une grève il peut perdre son job et devenir n'importe quoi après, il va évidemment être beaucoup plus prudent que nous, c'est normal. En même temps, il y a un truc quand on vient de la société civile qui est terrible, c'est qu'au bout de 2 ans on s'en va, quand on commence à apprendre le boulot. Oui, ça c'est un peu dommage, mais enfin ça fait partie du jeu, évidemment. Ouais. Alors, autre problème, c'est terrible, quand on lit votre bouquin, on n'a plus du tout envie d'être ministre, parce qu'autre problème, les coups bas, c'est-à-dire qu'il y a l'adversaire, évidemment, les coups bas de l'adversaire. C'est-à-dire, en fait, Jack Lang,
vous reprochez une loi dont il avait été l'auteur d'une certaine façon. Oui, c'est-à-dire que j'ai défendu pendant un an devant des étudiants qui étaient parfois assez opposés, en fait, des arrêtés qui avaient été signés par Jack Lang en avril 2002, juste avant que je n'arrive. Et c'est vrai que pendant ce temps-là, ils tiraient à boulet rouge, mais ça fait partie du jeu aussi. Ça me... C'est difficile parce que, d'une part, il y a les gens qui sont contre vous, comme Jack Lang, ouais. Et puis vos amis qui vous savonne la planche, comme Bayrou vous a savonné la planche. Bayrou, hein. Non mais attendez, Bayrou qui vous savonne la planche, quand même énorme, d'abord parce qu'il est dans la majorité présidentielle, et ensuite parce que c'est le parrain d'une de vos filles, c'est quand même énorme. Bayrou a fait un grand discours sur la réforme des universités, mais pour dire que je suis en train d'américaniser l'université, de privatiser l'université, ce qui est en gros le discours des étudiants de Sud, donc vraiment de l'extrême gauche, ouais. Alors qu'il est 100% d'accord avec moi sur le fond, et qu'il le sait très bien, quoi, parce qu'il a quand même été ministre des universités. Cité, connaît le dossier par cœur. Bon, en même temps, comme il déteste Chirac et qu'il n'a qu'une envie, c'est que le gouvernement de Raffarin se casse la figure et que moi, je ne réussisse pas là où bon, il n'a peut-être pas non plus réussi, en tout cas pas à faire ce qu'il voulait, il ne peut pas faire autrement que tirer. Quoi. C'est pas... Donc il tire sur quelqu'un qui est dans son propre camp et qui en plus est le parrain de sa fille. C'est pire que le showbiz. Hein. Mais... Ouais. Je ne les raconte pas par méchanceté, ce n'est pas du tout le but du livre, il ne s'agit pas de régler des comptes, mais c'est pour expliquer pourquoi, oui, tout à fait. En effet, pourquoi c'est impossible en les gros. Les politiques vous diront écrit. Pas. Autant c'est mal raconté, mais c'est très très bien écrit. Non, c'est vrai. Mais vous allez m'aider, cher ami. Non, mais vous j'adorais le livre. Hein. Je l'ai relu deux fois. C'est vrai. Ce qui alors, non, ce qui est le plus terrible que tout, ce sont les. Ce qui est le plus terrible que tout, ce sont, Luc Ferry, les campagnes de presse. Alors, c'est extraordinaire. Vous racontez, par exemple, cet article du Canard Enchaîné où il on, très dit, drôle, on très dit très que vrai. Vous avez une nurse. Oui. Ah, oui. Pas moi, mes filles quand même. Oui. Vous êtes gentil. Oui. Mais... Et tu te fais langer, on le sait. On dit j'en que... suis pas au biberon, j'en suis au sein, moi, ma femme. On dit que la sœur de votre femme habite à la maison, ce habite qui est pas au vrai, ministère. Que j'ai une Rolls, mais là, c'est pas vrai. Vous avez fait des travaux d'aménagement dans la cuisine, c'est vrai ça? Mais non. Si c'est vrai quand même, c'est-à-dire qu'on a eu un vrai dégât des eaux, donc l'électricité a pété parce que la résidence du ministère, qui était un endroit absolument sublime, vous savez, ça appartenait à Ruby Rosa, qui était la des plus grands, Ruby Rosa. Voilà, et qui a donné son nom pour des raisons qu'on peut imaginer aux grandes poivrières qu'il y a dans les brasseries parisiennes. Attendez, est-ce que vous le saviez, allusion freudienne. Les grands poivriers s'appellent des Ruby Rosa. Vous savez pourquoi? Non, je ne savais pas. Bah, tout le monde a compris, pourtant. Voilà. Voilà. T'as quoi? T'as des rocos dans ta cuisine? Les rocos, c'est pour le sel. Hein? Et puis, il y a la literie en satin aussi. Mais voilà, c'était horrible. C'est un peu, non, ce qui est terrible, c'est que c'est un peu... C'est terrible parce que Marie-Caroline, votre épouse, est devenue un peu comme Marie-Antoinette, quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, on lui reprochait des trucs terribles. Alors, cette literie en satin, non, par surtout, exemple. On est devenu un peu paranoïaque en fin de parcours. Mais comme disait Woody Allen, on peut être paranoïaque et avoir des ennemis. C'est pas incompatible. Et donc, c'était un peu les deux, quoi. Mais enfin, bon, ça, c'est anecdotique. Mais en même temps, sur le non, fond... Non, la literie en satin, Luc, sérieusement. Alors, c'est bien pour baiser, franchement. Non, en fait, moi, j'aime pas ça parce que ça accroche. Mais enfin, bon, chacun. Ah non, toi, t'as des draps en velcro, toi, c'est autre chose. Non, sérieusement, moi, j'aime bien les bons vieux draps. C'est ridicule, on en convient. Velcro, c'était dément, quoi. Ouais. C'était vraiment. Bah, c'était un cadeau de mariage. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. C'est un truc complètement. Mais alors, surtout, comment ça peut se retrouver dans le Canard Enchaîné? Vous dites, mais enfin, les gens sont fous. En plus, c'est surréaliste parce que, par exemple, j'ai eu pendant 3 semaines des papiers sur le thème Les Ferry roulent en Rolls. Oui. La seule voiture au monde dans laquelle je sois jamais monté, il se trouve que c'est la Rolls. Parce que mon père avait voitures. Oui, j'avais la voiture, j'avais la Rolls. Vous m'inviterez, alors, à la prochaine fois que je vois comment c'est, quand même. Silver Cloud. T'as toujours été bâclé, toi. Attends, c'est pas mal, ça doit être bien. Il y avait la Rolls, il y avait aussi Libération qui parlait de vos costumes à 5000 euros. Voilà, ça a baissé, là. Attends. Tu perds ça à 5000 euros. Voilà, on a eu tout ça. Oui. Et c'est vrai que derrière le côté complètement anecdotique et sans aucun intérêt de cette affaire, Finkielkraut avait eu une très jolie phrase, je trouve, à propos de l'affaire Clinton. Il avait dit « Je ne savais pas que la presse mondiale allait élire domicile dans le slip de Bill Clinton. Ouais. » Bah, c'est un petit peu ce qui nous est arrivé, toute proportion gardée, si j'ose dire, mais c'est quand même désagréable. Ouais, quoi. Il y a un moment où on se dit « Mais attendez, arrêtez !» Ce qui est terrible, effectivement, parce que moi, je connais un petit peu votre parcours, on a écrit que vous étiez un héritier, que vous étiez un brillant normalien, alors que vous venez d'un milieu relativement modeste. Oui, votre père était un mécanicien automobile de génie, certes, mais était quand même un mécanicien automobile. Ce n'était pas quelqu'un qui avait une fortune. Vous avez passé votre enfance à traîner dans son atelier à la Garenne-Colombes.
Et vos études, vous avez fait votre bac par correspondance. Donc, dans le genre héritier, c'est vrai qu'il y a mieux, quoi, je veux dire. Ah oui, c'est... Bah, ça, c'est aussi une chose avec laquelle il faut apprendre à vivre. C'est la distorsion complète qu'il y a entre l'image qu'on donne parfois de vous et puis la réalité. C'est vrai que s'il est... Bon, je ne vais pas faire misérabiliste, puis tout le monde s'en fout, mais c'est vrai que si on savait que, par exemple, quand on n'avait pas de salle de bain, quand, ah oui, dans la maison où j'habitais, quand on était mauve. Et donc, quand les gens me présentaient comme un salonnard mondain, friqué, qui retirait l'argent aux malheureux professeurs, j'étais un prof exactement comme les autres. Ouais. Enfin, en plus, fou de joie le jour où j'ai passé la grègue et que j'ai vu que j'étais reçu. Enfin, tout ça, je l'ai vécu comme les professeurs. Mais quand on dit que vous roulez en Rolls, ouais, quand on dit que vous vous êtes marié à Saint-Tropez, alors que vous n'avez jamais roulé en Rolls et que vous êtes marié à Paris, vous répondez aux journaux à ce moment-là? La vérité, c'est que quand vous faites un communiqué, un, on ne vous croit pas, mais deux, vous informez tous ceux qui n'étaient pas encore au courant. C'est un désastre absolu. Donc, il ne faut pas. D'ailleurs, à chaque fois, je disais ça encore la semaine dernière, Luc Ferry a accumulé les bourdes et les maladresses au ministère. Mais qu'est-ce qu'ils appellent des bourdes et des maladresses? C'est simplement quand on a le malheur de dire la vérité, c'est tout. Ouais. C'est ça qui est terrible, parce que vous apercevez que quand vous parlez... Par exemple, moi, je n'ai jamais eu de plume au ministère. Personne n'écrivait mes discours. Ouais. Et pendant un an, je n'ai pas eu de directrice de la communication. Et c'est inimaginable. Je me rends compte maintenant qu'en effet, j'étais un peu barjot. Ouais. Alors, vous apparaissez effectivement aux yeux des gens à ce moment-là comme une espèce d'aristocrate coupé des réalités du peuple, ce que vous n'êtes pas au fond. Alors, c'est là que Jacques Chirac vous lâche. Alors, non, un jour, vous êtes... Dire, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes avec le conseiller de Chirac sur les questions d'université, d'éducation, etc. Et vous recevez le journal Le Monde, et le titre, c'est « L'Élysée ajourne le projet de loi Ferry sur l'université ». Et le mec qui était le conseiller de Chirac pour ces sujets-là, qui vient voir, lui, t'es pas au courant. Non, et c'est un type très honnête, très intelligent, pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'affection, et je crois sincèrement qu'il ne m'a pas menti et qu'il n'était pas au courant. Donc, comme j'étais à l'Élysée, j'en ai profité pour faire ma petite enquête, tous les types me disaient « Mais non, c'est une blague du Monde, encore les journalistes qui racontent n'importe quoi ». Ben non, là, ils avaient tout à fait raison. Deux jours après, en effet, je le raconte dans le livre, j'ai reçu un coup de téléphone du président de la République qui m'a demandé, en gros, de faire passer le projet de loi tout de suite, ce qui n'était pas possible, ou bien de l'enterrer définitivement, ce qui était plus faisable, mais que j'ai beaucoup regretté. Cela dit, vous ne m'entendrez jamais dire de mal de lui, parce que je déteste... l'ingratitude, surtout, c'est pas parce que j'ai peur de la rétorsion, c'est parce qu'au contraire, il peut plus rien faire maintenant. Si j'avais des choses à lui dire, il fallait le faire avant. Mais bon, voilà. Il y a un truc qui se passe entre deux. Vous êtes 30 ans, une drague. Un métronome. Et tu vas voir, en 2035, ça va être formidable. Luc, sérieusement, si c'était à refaire, à part accepter le poste de député que Sarkozy vous a proposé à un moment et que vous avez dédaigné un petit peu, à part cette erreur-là, c'est-à-dire d'avoir une légitimité sortie des urnes, qu'est-ce que vous referiez pas pareil? Ben, je pense que l'erreur que j'ai faite à coup sûr, c'est de ne pas faire en sorte d'avoir suffisamment d'autorité ou de pouvoir pour pouvoir dire non à des choses que je trouvais mauvaises. Quand on a, comment dire, quand on n'est pas un vrai politique, c'est bon, il faut être honnête, je ne suis pas un vrai politique, mais c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de pouvoir. Et en fait, vous savez, je ne savais même pas ce que c'était qu'un officier de sécurité ou un chauffeur. Donc on apprend mille choses en même temps. Et franchement, dire non au président de la République, c'est pas. Vous savez, d'ailleurs, même les vrais politiques, honnêtement, le taux de servilité au Conseil des ministres est quand même assez élevé. Vous racontez ça dans votre bouquin. Non, je dis ça pas méchamment. Enfin, il faut être clair. Vous le dites, ça c'est extraordinaire. Vous dites que les gens sont d'une servilité. Genre Louis XIV à côté, on se foutait de sa gueule à Versailles. C'est un débutant, oui. Parce que, à part Francis Maire, qui au début parlait normalement, quoi, mais il s'est fait reprendre. Quand même, on est un peu terrorisé au Conseil des ministres. Et même les vieux pros, même ceux qui ont fait de la politique pendant 30 ans, ils peuvent toujours vous raconter ce qu'ils veulent après, hors conseil. Mais quand le président est là, c'est très calme. Sérieusement, Luc Ferry, est-ce que votre principale erreur, ça n'a pas été de sous-estimer le poids des idées de 68 dans ce pays? Parce que... D'abord, je vous dirais, je n'ai fait aucune erreur. Si, et ensuite, la veste verte avec la chemise bleue. Mais la cravate rouge après, c'est quand même pas mal. Non, c'est pas du tout ça que j'ai dit. J'ai dit une chose qui n'a rien à voir avec l'influence des 68 heures sur le système éducatif. Je vais vous dire exactement, c'est que quand vous voyez que depuis les années 20,
il y a un déclin faramineux de la maîtrise de la langue. Par exemple, dans les années 20, puisqu'on a eu la chance de retrouver, ça c'est quand même passionnant, 10 000 copies de certificats d'études des années 23-24 qui avaient été corrigées. Et on a refait passer la dictée dans les mêmes conditions à des élèves du même âge, et en gros, pour aller vite, à l'époque, c'est 5 fautes. Vous vous en souvenez, au lycée, quand on était petit, c'était 5 fautes 0. Ouais, ouais. C'était étalonné sur les performances des élèves. Aujourd'hui, c'est 17 fautes. Mais quand vous regardez la copie, 17 fautes en moyenne, pour des élèves de 5e, 10% des meilleurs d'entre eux. Ouais. Quand vous regardez la copie, ça ressemble à du texto. Hein. Mmh. Et donc, moi, je disais une chose, simplement, c'est que, si vous voulez, dans l'éducation, il y a à la fois, bien sûr, une part de spontanéité, c'est bien d'encourager l'imagination des enfants et tout ça, mais il y a aussi une part d'héritage. C'est-à-dire que vous n'avez pas, ni vous ni moi, inventé la langue française. Vous n'avez même pas inventé la poudre, lui, non ? Non plus. Si, la poudre, oui. La poudre, peut-être, ben, je ne sais pas laquelle, mais enfin, la langue française, à part... Bravo, allez-y, mais allez-y. Non, non. Alors, allez-y, allez-y. Ça roule en Rolls, ça a des lits en satin. Et ça se moque du chef. Non, mais voilà. Et donc, dans l'éducation depuis 30 ans, on a survalorisé la spontanéité, l'expression des enfants. Mais en matière de règles de grammaire, la spontanéité, c'est jamais très bon. Et donc, on a oublié qu'il y avait aussi des transmissions d'héritage et de patrimoine qui supposaient une attitude qui n'est pas celle du moi-je, mais l'attitude du respect à l'égard de traditions qui sont transmises. Alors, depuis que vous n'êtes plus ministre, à part draguer... Claudia Cardinal, bravo d'ailleurs. On l'a dit avant que ça marchait jamais quand on la draguait. Donc... Vous êtes... Je l'ai joué fine derrière. Ouais. Vous êtes au conseil d'analyse de la société. Ça correspond à quoi ce truc-là ? Et si vous voulez, c'est un petit peu comme le service société d'un grand hebdomadaire, c'est le même principe, mais j'ai réuni des gens qui ne sont pas des commentateurs de leur métier ou de leur discipline, mais qui sont des acteurs. Par exemple, bon, pour le sport, il y a David Douillet, ce n'est pas un commentateur du judo. Et je vous garantis que pour arriver là où il l'a été, enfin, 2 fois champion olympique, champion du monde, etc., il faut aussi une immense intelligence. Non mais, les gens qui sont dans ce conseil d'analyse de la société sont très bien, mais qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils servent ? Ils collectionnent les bouchons de radiateur de Rolls. Pas du tout. Et ils en parlent. Vous dire. Ouais. J'ai observé une chose, c'est qu'en gros, à peu près la seule réforme qu'on ait vraiment réussi à faire passer, quand, en tout cas j'étais dans ce gouvernement, c'est la réforme des retraites. Et je disais tout à l'heure que c'était très difficile parce que, en gros, c'est comme le dentiste, quoi, on avait que des mauvaises nouvelles à annoncer. Bon. Et il fallait le faire quand même, je crois. Et d'ailleurs, en gros, le Parti Socialiste n'avait pas autre chose à proposer. C'est aussi pour ça que c'est passé. Mais ce qui a permis, malgré tout, de convaincre, c'est qu'il y avait eu avant des comités, des conseils, des comités, etc., qui s'étaient réunis. Et d'une certaine façon, les élites, notamment journalistiques, savaient qu'il n'y avait pas autre chose à faire. Et ça, c'est très utile. On a besoin, si on veut un jour proposer des vraies réformes, que au moins la partie éclairée de l'opinion publique soit formée. Mmh. Et donc, il ne faut pas se moquer des comités Théodule, parce que souvent, ils font un très très bon boulot. Enfin, vous avez le droit. La maçonnerie et les comités Tupperware, non, non. Il est quand même de mauvaise foi. Bah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on l'aime. Alors voilà, le livre s'appelle « Comment peut-on être ministre ?» Luc Ferry. Alors maintenant que vous n'êtes plus ministre, vous pouvez nous dire à quoi ça sert un ministre alors ? En gros, ça peut préparer les réformes que fera peut-être son successeur. En gros, voilà, c'est le principe de base. Ça bosse beaucoup ? Oui. Oui, enfin, ça dépend lesquels, mais parce qu'il y a des ministères très différents. Mais dans un ministère comme le mien, honnêtement, c'est 18 heures par jour. Ah oui, 18 heures, ah ouais ? Oui, vraiment, oui. Là, je me suis levé à la cravate, ça prend 2 heures. C'est bien payé, sérieux ? Non, c'est mal payé. Vous voulez que je sois vraiment ignoble, mais on a supprimé vraiment les fonds spéciaux. Ah oui. Les gens me demandaient toujours ça. Mais est-ce que... Bon, attends, ils me disaient, bon, d'accord, t'as dit ça à la télévision, mais c'est pas vrai maintenant. Tu as bien quand même une petite question. Non, il n'y a plus de fonds spéciaux. Il faut savoir que ça atteignait 400 000 francs par mois. Et donc ça, après le ministre en fait ce qu'il veut. Bon, tout ça a disparu. Je suis toujours arrivé trop donc tard. Donc c'est mal payé. Parce que... C'est combien un ministre, sérieux ? C'est payé combien ? 40, 50, non, 60, 10 000 euros. Je compte en francs parce que c'était le premier traitement était encore en francs, c'était 78 000 francs. Voilà. Ah, ouais. Voilà. Oh, attendez, oh, un grand patron. Attends, il gagne combien, lui, Thierry Ardisson ? Beaucoup plus. Pas tellement. Et ça trois rôles, non. Sérieux, ça marche avec les filles d'être ministre, là, ça donne un... Non, mais pas comment ça vit, c'est toujours pareil. Sérieux, non. Marié avec la femme la plus belle du monde, donc vous ne me ferez pas... Quand on est ministre, on peut mettre quelqu'un sur écoute ?
Non, non, non. Enfin, peut-être, là, je ne sais pas, moi, il faut demander vous au ministre de l'Intérieur. Fait, mais le ministre de l'Intérieur, sûrement, mais ouais. Enfin, c'est très, très réglementé. Enfin, l'affaire Mitterrand, c'est complètement impossible maintenant. Il faut ah, ouais. Oui, oui, c'est. En et plus, ça sortirait. On disait pareil à l'époque. Hein. Est-ce non, qu'on non, peut... à l'époque, on savait que ça. Vous êtes de droite? En tout cas, j'ai pas honte de dire que je n'ai jamais voté à gauche et que j'aurais pas été ministre d'un gouvernement de gauche parce que je trouve qu'il y a un côté très comment, fâcheux aujourd'hui, c'est que les gens de droite sont toujours hyper culpabilisés par la société qui a un surmoi de gauche. Non, il faut dire les choses honnêtement. Moi, je suis centre-droit, c'est pas original, je suis pas vraiment à droite, mais en tout cas, je suis pas... On va faire un test pour si vous êtes de droite ou de gauche. Oui. Vous allez me répondre par oui ou par non. On va faire c'est le test, dur, ça, droite ou pas. Est-ce que vous trouvez, Luc, que vous payez trop d'impôts? Oui, non. Oui, oui. Est-ce que vous pensez que seuls les forts survivront et que c'est très bien comme ça? Non, ça non. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont au chômage, après tout, c'est de leur faute, quoi? Non plus, ça c'est complètement idiot. Il y a un tas de gens formidables. Vous non plus. Qui... Non, je pense pas non plus. Est-ce que vous pensez qu'il faille interdire la consommation du cannabis? Non, là je vais me faire tuer, mais non. Non. Faut pas l'interdire. Non. Même pendant les émissions de télé. Claudia, vous pensez ? Je suis contre la drogue. Ah oui, toutes les drogues. Aussi, c'est pas pareil. Hein. Même le vin, même le vin alors. Non, le vin, attends. Non. Mais c'est pas de la drogue le vin. Justifier la chose. C'est pas de la drogue. Mais si. Enfin, un verre de vin. Non, mais avec un pétard. Luc Ferry. Est-ce que vous êtes absolument contre le mariage des homosexuels? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes contre l'adoption d'enfants par les couples gays? Alors, curieusement, non. Ah bon? Vous êtes contre le mariage, mais pour l'adoption? Oui. En vérité, vous avez le droit... Bon, il se trouve, je connais pas mal le problème pour avoir adopté moi-même un enfant sans être homosexuel, mais attendez, on a le droit de pas l'être aussi. La France jugera, monsieur. Continuez, Luc. Si j'ose dire, je lui tends une perche qui est tellement facile. Oui, c'est vrai, c'est qu'à le dire, oui. Voilà, aujourd'hui, vous avez le droit d'adopter un enfant sans être marié. Ouais. Donc, vous pouvez parfaitement adopter un enfant en étant homosexuel, voilà. Sans le dire. Donc, ça n'a pas de sens d'interdire. Est-ce que vous pensez, Luc Ferry, qu'il n'y a pas assez de policiers dans les rues en France? Non, la différence entre un quart de flic et une bonne lessive, c'est que dans la lessive, il y a un agent actif. Quoi. C'est ça le problème. Ah, c'est bien, ouais. Pardon. Non mais c'est sympa. Moi je vais te dire. Je peux la caser qu'une fois doulée. Elle est bonne, elle est bonne. Si les invités préparent des vannes, moi je vais m'en tirer. C'est la mort de mon commerce. Mais non, écris des bouquins. Oui. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression de l'impôt sur la fortune? Je n'ai pas d'idée là-dessus. Ouais. Si, t'as une idée, mais tu sens bien que tu peux pas la dire ici. En tout cas, je ne le paye pas et je regrette. Donc, non, il n'a pas la Rolls. Non, je sais pas. Est-ce que vous êtes heureux, Luc Ferry, que le pauvre Alain Juppé n'ait pas été trop lourdement condamné par les juges? Oui, j'en suis plutôt content, oui. Mais c'est quelqu'un de très honnête, donc c'est pas... Oui, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Puis vous savez, si j'avais commencé la politique comme ça par hasard 15 ans plus tôt, j'aurais été dans un système où, par définition, personne ne pouvait être à l'abri de ça. Il faut le connaître, c'est tout. Donc on a assaini le système après, peut-être qu'il avait un petit retard à l'allumage, mais c'était enfin, un gros, peu après l'assainissement du système quand même. Les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Ça veut dire qu'il y avait des types qui étaient à la mairie de Paris et qui étaient payés par la mairie de Paris alors qu'ils travaillaient dans le parti politique. Bon, c'est pas bien. Non. Enfin, c'est pas non plus. Elle n'a pas tué une vieille dame. Enfin, il y a pire que ça, quoi. C'est pas. C'est pas. Et en plus, il est quand même condamné. Enfin, il est pas. Il paye quand même très cher. Attendez ce qu'il a vécu pendant toutes les années où il est mis en examen et condamné après. C'est l'enfer. Ouais. Vous pensez que les Français sont une population d'assistés, vous? Non. Est-ce que vous êtes contre la délivrance d'héroïne pour limiter le trafic? Pour limiter le trafic, ou voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Comme en Suisse, c'est-à-dire qu'on donne de l'héroïne aux gens pour éviter qu'ils l'achètent à des dealers. Et aux enfants pour les fidéliser sur la... Non, là, vous parliez tout à l'heure du cannabis, je trouve que c'est un autre problème, l'héroïne, donc je crois que c'est vraiment une saloperie, oui. Vous êtes favorable aux mesures contre les prostituées et leurs clients? Je suis pas enthousiaste de la chose, mais non, je suis pas...
comment dire, il faudrait distinguer deux choses. Il y a le problème des raquettes, c'est-à-dire du fait que vous avez des réseaux. Mmh. C'est ça que visait Nicolas Sarkozy, de prostituées qui viennent de l'Est, oui. qu'on force à se prostituer, et on leur dit, si tu te prostitues pas, je vais flinguer ton père ou ton frère. Il n'y a rien de plus dégueulasse au monde. Mmh. Mais là, évidemment, quand vous êtes client, vous participez à un truc qui est immonde. Mais ça n'a rien à voir avec le plus vieux métier du monde, qui est peut-être pas bien, mais qui n'a rien à voir avec ça. C'est autre chose. Donc moi, je ne suis pas là-dessus pour confondre les choses, même si ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, je n'ai jamais été client. Ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas pour les prostituées qui viennent de l'Est, mais pour les autres, ça va. Quoi. Non, celles qui viennent de l'Ouest, intelligents, non, on cherche compris. À trouver. Ils ont compris. De bonne foi, on comprend. Celles qui viennent de l'Ouest, c'est moins grave, d'accord. Vous trouvez que Jean-Pierre Raffarin est bel homme ? Claudia. Non, vous répondez, on vous a posé la question. Non, allez, on va être. Non, ah non. Il est sympathique, il a du charme, mais il n'est pas bel homme. Vous touchez sa bosse, des fois, ça porte bonheur, vous savez. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Claudia, est-ce que vous avez déjà touché la bosse de Jean-Pierre Raffarin ? Ça porte bonheur, non, Claudia. Il a du charme, mais il n'est pas beau, quoi. Il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Enfin, c'est pas Marlon Brando, non. Dites-moi, vous croyez que ça serait une solution de rendre les entreprises plus flexibles en favorisant les licenciements rapides ? Oui, là, si je suis honnête, oui, je pense que c'est pas... Le traitement social du chômage, ça n'a jamais été la solution. Vous trouvez normal qu'on emprisonne quelqu'un qui siffle la Marseillaise, vous ? Non. Vous aimez Yves Duteil ? Non, moi j'ai joué un quart d'heure de guitare avec lui, il a été adorable. Sympa. Ouais. La guitare, qui me démange ? Un gratte un petit peu. Le combat de José Bové, vous trouvez ça ridicule ? Assez grotesque, oui. Non, c'est vrai, vous l'aimez pas, José Bové. Oh, il est sympa, moi je l'aime bien, moi. Non, il l'aime pas. Ah, je l'ai trouvé intègre, moi, courageux. Ça ne m'étonne pas, mais... Non, pas. C'est gentil. Ça, il le déteste. Ouais. Il était méprisant. Là, il ne m'étonne pas. Là, on a vu son vrai visage. Oui. La haine qui transparaissait. Non, il n'y a pas de haine, mais non, c'est pas ma tasse de thé. Puis le côté, comme ça, comment dire... Tu ne trouves pas qu'il est courageux, quand même ? Non, pas du tout. Ah bon ? Non, pas du tout, parce que, attends, il rafle la mise à chaque fois. C'est-à-dire, les gens qui ont l'air courageux et qui raflent la mise en termes de médiatisation à chaque fois, ça m'exaspère un peu. Puis il y a eu des petits dérapages, Vraine d'Israël, voilà, qui n'est pas très clair. J'aime pas du tout cette mouvance-là, que je trouve assez politiquement suspect. Ça commence par José Bové avec les moustaches à la gauloise sympathique, et ça se termine par Tariq Ramadan. Raccourci que les gens ont apprécié chez eux. Dites-moi alors, dernière question, et c'est la plus importante, est-ce que vous porteriez des mocassins avec des chaussettes blanches? Je crois qu'il n'y a aucun problème au niveau du goût. Donc alors le score est de... Donc il serait plus de gauche que de droite finalement. Je comprends que Chirac l'ait viré alors. Luc Ferry, comment peut-on être ministre ? C'est publié chez Plon, mesdames, messieurs. Laurent, une petite carte. Ah, c'est un nouveau jeu avec des gages. Attention. Vous devez enlever un vêtement. Ah, pas mal. J'ai toujours refusé dans les 150 films de me déshabiller. Et je vais pas le faire ce soir. Claudia, un vêtement. Voilà, regarde. Enlevez votre étole, voilà. Voilà, j'ai bien fait. C'est quoi ? Claudia, vous êtes mal barré. Vous devez choisir un invité et l'embrasser. Ouais. Hey. C'est quand même très chaste, hein. Je vous ai connu dans certains films un peu plus. Mais allez, oui. En topless, on recommence. Alors, toi. Et moi, s'il te plaît. Si tu veux. J'accueille Ariel Dombal. Merci.
Oh là. Qu'est-ce qu'elle a grossi? Ça va, Ariel? Ben oui. Ça va bien? Mais vous connaissez Luc Ferry? Je l'ai rencontré. Oui. Il est sympa, hein? Ouais, très. Et Claudia, vous la connaissez? Je l'ai rencontré aussi. Elle est sympa, nous sommes hein? Croisés. Bellissima. Oh, bellissima. Una maraviglia. Ah. Oh, alors, il y a une chanson que j'adore dans votre disque, c'est ça. Y así pasan los días. Y yo desesperado. Y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Oh, estás perdiendo el tiempo. J'adore quand Julio Iglesias rentre dans la chanson. On va le rendre à chaque fois avec vous. Je l'adore, voilà, ça j'adore. Ah, Julio! Alors, Ariel, vous étiez venu présenter cet album ici. Mais oui. Et effectivement, tout le monde, dès le premier soir, a trouvé ça très bien. Dès le lendemain matin de la diffusion de l'émission, j'avais des compliments. Oui. Ma mère me dit, il est bien le disque de Ariel Dombal, il est vachement bien. Ah mais c'est vrai, les gens ont tout de suite dit, c'est vrai, le disque d'Ariel est bien, quoi. Et ça s'est traduit dans les ventes, puisque vous êtes quoi, déjà au moins deux fois disque d'or avec Amor Amor, non? La révélation de votre latinité a fait un succès. Vous avez été roots et finalement ça a marché. Voilà, vous avez été vous-même. C'est vrai parce que je pendant si longtemps je n'osais pas, je cachais mon passé comme ça pour essayer de me fondre le plus possible dans le paysage culturel français, dans le tissu social français. Ouais. Et je disais pas que j'étais una chicana. Ouais. Una chicana, si, soy de México. Et je ne disais jamais non plus que j'avais appris le français à l'école, que j'avais zéro en orthographe et que j'ai toujours zéro en orthographe et que... Allez, dictée. Luc. Mais oui, Luc. Les ailes, c'est mignon. Allez, Luc, dictée. Oui, mais... Bon. C'est toi qui corrige aussi. S'il n'y a pas le mot croche-pied, je peux m'en sortir. Moi. Alors, le nouveau single en promo, c'est ça. Je vous l'ai déjà dit, Ariel, mais je trouve que ces chansons vous rendent incroyablement sexy. Hein. Vraiment, j'aurais envie comme ça de les jouer sans arrêt, de vous regarder. Elle a fait une bonne base quand même. Mais... Oui, elle a une bonne base, mais je trouve que ces chansons la rendent... Non, mais ces chansons sont los grandes éxitos latinos, oui. Alors... La personne qui s'en empare. Ça vous plaît ces chansons là, cette époque comme ça, j'adore. Le côté. J'adore. Le côté La Havane avant Castro, ça vous plaît? Ben moi j'ai beaucoup été aussi à Cuba. Oui. Souvent. Oui. Ouais ouais. C'est moi, ça. J'adore. C'est Batista un peu comme style de musique quoi. Alors vous transposez cette ambiance pré-castriste sur scène donc au Bataclan avec des musiciens. Ça vous recréez un peu l'ambiance de la prise de son de l'album parce que ça s'est fait sans beaucoup de bidouillage électronique là. C'est fait en une prise quoi. Rien. Ouais. C'était un et ça c'est un luxe, c'est-à-dire en studio on appelle ça acoustique avec le micro des années 40 et mes músicos latinos avec moi et on a enregistré live. Donc ce qu'on entend sur la scène, c'est pareil que le disque live, sauf qu'il y a plus de chansons. Mais bon, ça sera au Bataclan la semaine prochaine et j'ai très peur parce que c'est Paris. Mais j'étais hier soir à Sanary
et puis à Vélizy, il y a des tas, dans des tas de grandes salles comme ça, où il y avait le vrai public pour la première fois, et c'était extraordinaire. Tous ces gens debout qui criaient « remboursé, remboursé ». L'ambiance incroyable. Exactement. Alors, moi, ben, je leur envoyais des baisers. Non puedo. Les 25, 26, 27, 28, 29 janvier à 20h30, vous êtes au Bataclan, mais je crois que c'est complet, non? Mais oui, c'est complet. C'est ça, on fait de la pub pour un truc qui est complet. T'as la bombe, peut-être. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous faites l'Olympia. Le 20 mai, c'est énorme. Et là, il n'y a personne. C'est un problème de quartier. Non, mais je suis contente parce qu'on m'a appris ça il y a 2 jours. Oui. Le Bataclan est complet, donc le tourneur, Coulier, m'a dit « Eh bien, Ariel, on fait l'Olympia ». C'est génial, bravo. Ah oui, c'est génial. Ariel à l'Olympia, c'est bien. Il faut avoir connu ça, non? C'est bien. Je suis ravie. C'est génial. Et alors, j'aurais déjà fait d'autres théâtres de France, donc, parce que je pars en tournée, j'ai des tas de dates un peu partout. Ah, ça y est, là, maintenant, vous êtes une chanteuse en tournée. Et voilà, very rock and roll, avec le bus et tout. Bon. Les hôtels. Tout, les hôtels. La drogue, les putes, enfin, la tournée. Le pay-per-view le soir, quand on se retrouve seul dans la chambre d'hôtel. Oui, vous allez voir, Ariel, voilà, c'est terrible. Voilà, le mini-bar vide, le pommeau de douche qui brinque. Ah oui, voilà, je crois que vous avez bien compris le film. Tout. C'est exactement bon, ça. Quelque chose comme ça. Alors après l'Olympia, on dit toujours que c'est... C'est la consécration. Oui, c'est symbolique. C'est une cosa increíble. Estoy muy emocionada. Tengo miedo. ¿Cómo que no? Imagínate. Tengo miedo también. Pues todo el mundo tiene miedo. Es una cosa espantosa. ¿Te gusta la apelación? Muchísimo. Muchísimo miedo. ¿Te imaginas? Ya lo sé. Ahí está la mamá de Pedro. No, claro, me gusta mucho porque habla bien español. Il connaît deux phrases en espagnol, c'était Gusta la Felación et Donde está la maman de Pedro. Bien. Écoutez, Ariel, on est ravis pour vous, c'est génial là, franchement. C'est extraordinaire ce qui se passe là. C'est un mouvement national comme ça pour vous. C'est extraordinaire. Et puis alors, donc hier à Sanary, je regardais le public et je me disais que c'était un public tellement... Enfin, il y avait des têtes blanches et puis des enfants. Mmh. Donc ça me faisait très plaisir. Bah oui, bien sûr. C'était vraiment... Qui était puni. Voilà, peut-être les enfants étaient punis. En tout cas, écoute, ils ont bien dansé et ils ont bien applaudi. Alors, bon, si tu ne travailles pas à l'école, on ira voir Ariane. Voilà, Ariane Olympia, le 20 mai, la semaine prochaine, le Bataclan, c'est complet. Voilà, bravo. Merci. Alors, Ariel, vous avez également un film à l'affiche. Ça s'appelle « Quand je serai star » de Patrick Mimouni. C'est à l'affiche depuis le 19. Alors, c'est l'histoire, vous interprétez une femme absolument incroyable, ça s'appelle Diane de Montalt, qui est une actrice sur le retour, qui vit avec son fils homosexuel. Alors, elle aurait voulu qu'il soit acteur, mais il est Stewart. Ouais. Et en fait, il passe son temps à avoir des aventures comme ça homosexuelles, qui sont filmées de façon assez réaliste d'ailleurs. Oui, c'est vrai, très réaliste. Très réaliste. Très réaliste, mais c'est vrai que c'est un univers gay dans lequel est mon fils, dans le film. Et moi, je suis une mère, enfin, une actrice intermittente. Mmh. C'est-à-dire que j'ai des saisons en enfer, comme malheureusement la plupart des acteurs. Et alors, évidemment, je me fais toutes sortes d'illusions. Sur ma propre carrière et aussi sur celle de mon fils. Je l'élève finalement très mal. Je veux faire de lui une star. Mm. Et lui, il veut être simplement quelqu'un de normal. Et alors, il... Pourquoi les stars sont anormales? Un peu, oui. Là, en ce moment, j'avais une mauvaise pensée. Je pensais à tous les... Mais je ne devrais pas le dire, à tous ces hommes politiques professionnels gris et teigneux qui ne seront jamais entre Claudia et Ariel. Donc ça me sent suffisamment à ma bonne heure. C'est bien. Pardon. On va faire une photo, Luc. C'est vrai. D'accord. C'est vrai. Des vrais bonheurs dans la vie. Méline, demande un photographe.
Mais oui, c'est vrai, ce serait gentil pour mes souvenirs. Non, pardon. Ah oui, oui. J'écoute. Patrick Mimouni. Vas-y, non mais vas-y, prépare-toi un peu. Ah ouais. Vas-y. Ah. Les deux. Non mais je veux pas. Non mais tu vas tes potes, ils vont te dire, vas-y, chope-le toi aussi. Vas-y. Si vous permettez, voilà. Bon, c'est juste pour mes vieux souvenirs et pour ennuyer les députés. Photo, merci. Merci, photo. Photo souvenir pour Luc Ferry. Bien, bon, on va voir à quoi ça ressemble. J'ai regardé votre caméra, Ariel. Ah, oui. Celle où il y a le rouge, vous allez dire, vous connaissez la maison. Magneto Serge. En espagnol. El Magnético Sergio. Oh là là! Christian Lacroix, vous aimez? Je l'avais complètement oublié. Écoute, je te préviens, tu vas pas vendre l'appartement. T'iras en tôle, mais on vendra pas l'appartement, maman. Ne m'appelle pas maman. Parce que tu peux être vulgaire. Mais écoute, va te faire soigner, merde. Parce que t'as pas l'air paumé, toi, peut-être. T'as vu comment tu t'habilles? Ça fait Miss France attardée. Alors là, je m'en fous, mais je m'en fous de faire Miss France attardée, si tu savais. C'est ça, je te crois, bien sûr. Vous auriez un autre moyen de règlement? Non. Qu'est-ce qui se passe? Autorisation refusée. Ah bon? Normalement, on est censé confisquer la carte. Je rentre. Non, mais écoute, Marc, mais qu'est-ce qui te prend? T'as fait un effort, tu n'as plus d'ambition ou quoi? Oh, arrête avec ton ambition, arrête de rêver, Eva. J'aime pas ce monde, j'aime pas ces gens. Mais écoute, Marc. C'est pas pour dire, hein. Mais si t'es pédé, y'a qu'à la regarder. Hein. Pas besoin de faire un dessin. On a tout compris. Oh, c'est n'importe quoi ce que tu comprends. Quand je serai star, quand je serai star. Écoute, Marc, quand tu reçois quelqu'un, tu pourrais fermer la porte à clé, enfin. Voilà, quand je serai star de Patrick Mimouni, à l'affiche depuis le 19 janvier. Est-ce que Bernard-Henri Lévy a vu le film? Eh bien, oui, il l'a vu. Il l'a aimé? Et c'est rare parce que très souvent, je ne lui montre pas les films dans lesquels j'ai joué. Et vous réagissez comment aux attaques dont Bernard-Henri Lévy est l'objet en ce moment à travers tous ces livres qui sortent comme les uns après les autres? Ça me semble un peu abracadabrant qu'il y en ait tellement. Il y en a eu deux, il y en a encore quatre en préparation. Oui. Voilà, mais heureusement, je crois que les gens n'ont pas tellement envie de lire... des gossips méchants vus par le tout petit bout de la lorgnette. Et donc, à mon avis, les livres ne marchent pas. Hein. C'est ouais. Tout, ben oui. Ça, je ne sais pas, c'est extrêmement... Enfin, il y a... Oui, c'est comme un animal très beau qui court et puis il y a toute une meute derrière qui veut le mordre. Vous en pensez quoi, vous, Luc, de tous ces bouquins sur Bernard-Henri Lévy? C'est vrai que d'un seul coup... J'ai un peu connu ça parce qu'on a eu deux livres qui étaient vraiment teigneux et complètement idiots, il faut dire. C'est quand même, il faut être honnête, c'est assez difficile à vivre quand même. On a beau... Parce qu'on vit dans une société où on est obligé de faire semblant de s'en moquer, mais c'est pas vrai. Quand les attaques sont basses et méchantes, on est quand même atteint. Et donc j'imagine que Bernard, même si il a quand même un peu d'habitude, comme moi d'ailleurs, ça doit le toucher quand même beaucoup. Hein. Oui, oui, c'est vrai, parce que dès qu'il a surgi, dès sa première émission de télévision, quand on l'a vu beau, pardonnez-moi, mais il est beau, et avec son décolleté et tout ça, tous ses poils, les gens l'ont... Non, il est imberbe. Bon, et alors, oui, c'est vrai, ça a commencé très tôt, il est habitué. Alors, tout de suite, les gens se sont déchaînés. Oui. Bon, non, mais là, je ris, voilà, mais c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est très, très méga désagréable. Et puis, pourquoi les gens ont quand même autre chose à faire qu'à écrire des livres comme ça, à quoi ça sert? Non, mais franchement, je crois que c'est quand même des livres ultra médiocres et qui sont quand même largement animés par la jalousie et par l'envie, quoi, ce qui est quand même la passion démocratique la plus forte. Ces histoires vous chamboulent pas trop, Ariel, non? Voilà. Voilà, ben, c'est pour ça qu'on va faire une interview upside down. Ariel, attention, Ariel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de pire en ce moment? En ce moment, perdre les clés de ma bagnole, ma fille. Non, j'allais... Elle connaît ses classiques en même temps. Je lui ai envoyé le DVD de toi. Elle a gagné un DVD. Ah ouais. Non,
je dirais, bon, oui, m'embrouiller les pieds dans les fils du micro, tomber sur scène, ouais. Voilà, une chose comme ça. Quel défaut aimeriez-vous avoir ? D'être une heure par jour invisible. J'adorerais. Alors, comme je serais invisible, je pourrais aller partout, comme une petite souris, tout écouter, tout voir, invisible. Et vous, quel défaut aimeriez-vous avoir ? Moi ? Ouais. Mais pourquoi je devrais avoir un défaut ? Je préfère ne pas imaginer un défaut. Très jolie réponse. Ariel, quelle est la qualité que vous regrettez d'avoir ? D'être parfois trop gentille. Ah oui ? Ouais. Qu'est-ce qui vous donnerait envie d'être trompée ? Ben, si ça le rendait heureux. Ouais. Ben voilà. En quoi aimeriez-vous être beaucoup plus nulle ? Beaucoup plus nulle. Alors, j'ai déjà dit que j'étais nulle en orthographe, mais beaucoup plus, à quoi ça servirait ? J'ai rien. Qui ne voudriez-vous pas avoir comme fan ? Alors, justement, dans l'avion, en revenant de Sanary... Le voyage à Sanary, ça a été... l'a marqué, ça. Ça l'a marqué. Non, mais, encore mais... un album. Hein. Non, mais il y avait Courrier International. Ouais. Et sur la couverture, il y avait... vraiment des gens très, très, très désagréables. Des vrais fachos. Et ben eux, j'aimerais pas les avoir comme fans. Qui, par exemple ? Ni Pinochet, ni Milosevic, ni Oussama Ben Laden, ni Saddam Hussein, ni Kadhafi, mais je les aurais pas. Ouais. Alors, voilà. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus plaisir ? Ay, güerita, qué bueno te estás. Ça veut dire quoi ? C'est horrible. Ça veut dire... Ah, c'est bon ? La, oui. Ah, c'est ça ? T'es bonne. Ah ouais. Qu'est-ce que vous voudriez que votre mari rate ? Ben, l'avion, pour rester avec moi. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que vous lui interdisez que vous faites vous-même ? Oh, je ne lui interdis rien. Rien ? Ah bon ? Sauf, justement, de voir les mauvais films que je tourne parfois. Voilà. Quel est le rôle que vous êtes contente de ne pas avoir joué ? Ah ben, oui, mais je vais pas dire du mal de mes camarades. Hein. Bah, c'est un petit en peu, même quand temps, même. Thierry aime bien ça. non, le rôle que je suis contente de pas avoir joué, ben, je suis contente de pas avoir joué l'autruche dans Jurassic Park. D'accord. Et pourtant, ouais, quelle belle phrase ne dites-vous jamais ? Je reviendrai dans Sanary. Quel est donc le trouble où je vous vois paraître ? Et que me veulent dire et ces soupirs poussés ? Et ces sombres regards que sur moi vous lancez, que de toutes les déloyautés dont le ciel est capable, à vos déloyautés n'ont rien de comparable. Non, non, je ne sais plus, j'ai mais voulu réciter bien, du Célimène. Non, mais je n'ai pas beaucoup l'occasion de le dire. Non, mais c'est, voilà une belle phrase que vous dites jamais de non, tout en espagnol. En espagnol, ça se dit « Hola, qué tal ?» C'est plus ramassé. Qu'est-ce que vous aimeriez, Ariel, que quelqu'un vous vole ? Ça me vole. Mon cœur. Ah non, mon oui cœur est... Mon ombre. Quelle est la meilleure mauvaise critique qu'on vous ait faite ? Alors, c'est dans le Figaro. Elle n'a rien au-dessus du bikini. Ouais. Et alors... oui, j'étais médusée. Ouais. Et alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je devrais avoir ? Ouais. Un cœur, une tête, un esprit, des yeux ? Ben non, elle n'a rien au-dessus du bikini. Ah oui, c'est marrant comme... Ouais. Quel est le mot que vous ne connaissez pas, que vous préférez ? Akishembagelizkumbura. Schkumulavend eskenderhardend is schulen getragen gutes genießen der Gern, die Sulman die Wagen sie schon gar in der. Es so bin der, es kommt aber nicht, dass sie telekommen sind wir auch gut tut. Ariel Dombal, l'album s'appelle A mort, à mort. Et le film s'appelle Quand je serai star. Il est à l'affiche depuis le 19 janvier. Claudia, je vais vous laisser filer. Alors, je voulais dire avant que vous partiez que vous êtes donc au Théâtre de la Madeleine à partir du 8 février dans 12 oiseaux de jeunesse. C'était Françoise Sagan qui avait fait l'adaptation à l'époque. Oui, je sais. Et c'était avec Bernard Fresson, je me souviens, de cette pièce. Voilà. Il y a quelques années. Oui. Il y a quelques années. Donc, je vous dis merde, c'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Merci beaucoup. Merci.
Génial. Je vous retrouve tout de suite dans la réaction. Laurent, une petite carte pour Ariel. Ariel n'a pas tiré de carte. Ariel. Ariel. C'est un jeu. Attention, attention. C'est le jeu des tarots. Ouais, exactement. Mon avenir se trouve là. Carte Michel Drucker. Vous devez remercier ceux sans qui vous ne seriez pas là. Oh, c'est joli. Allez-y, alors. Alors... je remercie mon adorable grand-mère. D'accord. Je remercie... j'ai pissé. Femme cinéaste, écrivain, à la fois poète et mannequin. Femme panthère sous sa pelisse et femme bancaire planquée en Suisse. Femme dévoreuse de minets. J'accueille Cynthia Sardou. Bonsoir, bonsoir. Ça va? Ça va très bien, merci. Vous avez le trac un peu? Un petit peu, c'est normal, je Faut pense. Pas. Tout va bien se passer. Je suis ravie d'être là. Moi, je suis ravie que vous soyez là. Tout va très bien se passer. Puis vous avez vu, ma fille est partie, vous avez du pot. Il ne me dérange pas. Il ne vous dérange pas, très bien, Cynthia. Vous connaissez Luc Ferry, donc, qui était ministre de l'Éducation nationale, de la recherche, des universités, de la jeunesse, des draps en satin, des Rolls-Royce. Pas tout, quoi. Et Ariel Dombal, qui a fait un disque formidable, qui s'appelle Amor Amor. Hein, Ariel. Et qui fait l'Olympia, c'est incroyable, ça, quand même. On est ravis pour vous. Alors, Cynthia, vous êtes la fille de Michel Sardou, donc, et vous publiez aux éditions du Rocher un livre bouleversant, une autobiographie, qui s'appelle Appelez-moi Lilou. Alors, Lilou, c'est un nom qui vous a été donné par un ami, et aujourd'hui, c'est votre nouveau nom. Oui, c'est une façon de faire une transition de ma vie suite à tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai vécu en 30 ans. Ouais. Lilou, c'est ça fait partie du changement de ma vie parce que j'ai décidé de laisser derrière moi tout ce qui convenait pas. Voilà. Alors vous êtes la fille Cynthia de la première épouse de Michel Sardou, Françoise Pétré, qui à l'époque était danseuse au Châtelet. Vous êtes né en 1973, en même temps que Romain Sardou, que nous avons reçu souvent ici. Alors, à l'époque où vous naissiez, donc, de l'épouse de Michel Sardou, Romain naissait de Babette, qui à l'époque n'était pas encore la deuxième femme de Michel Sardou, mais était sa maîtresse, c'est ça. On a un mois d'écart, tout voilà. Simplement. Ouais. Voilà. Alors, Michel voulait un garçon, et de toute évidence, c'était pas vous. C'était pas moi. C'était pas moi et je pense que je l'ai comment expliquer ça. Vous dites aux yeux de mon père j'étais une erreur quoi. Oui je le pense sincèrement et je n'ai pas honte de ce que j'ai écrit et je n'ai pas honte de ce que je suis aujourd'hui parce que je suis une fille et je suis ravie d'être une fille finalement parce que mais lui voulait un garçon à l'époque excusez-moi. Et alors votre mère vous en a voulu en fait parce qu'elle a pensé, elle s'est imaginée que le fait que vous soyez une fille a aidé Michel à se séparer d'elle, en fait. Elle vous a un petit peu rendu responsable. Elle en est persuadée, oui. Elle en est toujours persuadée aujourd'hui. Oui, parce que j'ai d'ailleurs... il y a une lettre qui me le prouve, justement, et que je
que j'intègre dans l'histoire. Donc, effectivement, même 30 ans après, vous voyez, c'est, ouais. Visiblement, c'est resté. Ouais. Et vous, donc, vous avez grandi avec ce sentiment de culpabilité, c'est-à-dire que vous vous sentiez un petit peu responsable de leur rupture ? Je me suis complètement sentie responsable de cette rupture, déjà parce que j'ai pas vécu, je peux pas dire que j'ai eu une enfance parce que j'en ai pas eu. Mon père a effectivement donné ce qu'il fallait pour notre éducation. En revanche, moi je ne considère pas avoir reçu d'éducation. Je me suis éduquée toute seule. Je m'étais créé un monde à moi, dans ma tête, un monde merveilleux qui m'a permis de résister absolument à tout. C'est-à-dire que dans mon mental, c'est mon mental. Ouais. Qui a fait que j'ai résisté à toute la violence que j'ai subie. Alors, à l'époque où vous naissez, Michel Sardou est en train de devenir une méga vedette, hein, vraiment une star nationale. Et en fait, vous décrivez l'envers du décor. C'est-à-dire que, par exemple, il est très sympa comme ça quand il est avec des gens. Et quand il est à la maison, il y a un cendrier qui est déplacé, il rentre dans une colère noire, il lance des regards absolument terribles aux gens. Oui. Effectivement, oui. Enfin c'est... Oui, il est comme ça. Non, alors, mais... après son divorce, Michel Sardou épouse Babette, donc sa seconde épouse, et votre mère épouse, dites-vous, un pseudo-producteur de musique que vous ne citez pas, vous ne donnez pas son nom. Et lui, il est intéressé en fait par les relations de votre mère, par le carnet d'adresses de votre mère, par l'argent bien que sûr. Votre père verse à votre mère. Mais en fait, vous l'appelez le funeste d'ailleurs, ça ne sera jamais quelqu'un de positif pour vous en tous les cas. Non, jamais, non. C'est pour... D'ailleurs, je tiens à préciser que pour moi, il s'agit bien d'un criminel en liberté, ce n'est pas autre chose. Ouais. C'est un personnage terrible parce qu'il exige que vous l'appeliez papa, mais il vous bat. Et il vous battra pendant des années, en fait. Oui, pendant, j'ai vécu dans cet entourage pendant plus de 15 ans. Ouais. Donc, quand vous vivez ça tous les jours, effectivement, c'est, il y a un moment où il faut partir, il faut s'en aller. Et votre mère dit rien ? Visiblement, non. Je dirais que ma mère était une absente avec un grand A. Et il n'y a pas... Je pense que quand on aime quelqu'un... L'amour, parfois, peut aller si loin qu'on est aveugle de tout ce qui se passe autour. Et je pense que, oui, elle est restée passive. C'était un moyen pour elle de le garder que d'accepter ce qu'il vous faisait subir, en fait. Peut-être, oui. Ouais. Quand vous voyez Michel Sardou, ça ne se passe pas mieux parce que vous voyez très peu. Mais quand vous voyez, par exemple, une fois, vous avez 5 ans... il est très dur avec vous. Un jour, vous refusez d'évacuer la salle de bain. Il vous traite de tas de merde, quand même, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'avais 5 ans et je m'en rappelle. Ouais. C'est même étonnant. Mais la psychanalyse a fait remonter encore des choses à la surface. Parce qu'on croit toujours que tout est enfoui et qu'on l'oublie, mais en fait, c'est en soi. Et après ça, il ne s'est pas excusé, quoi. Michel Sardou s'excuse rarement, en général. Alors, les bons moments, finalement, c'est avec votre grand-mère, Jackie Sardou. Alors là, ça se passe super bien, quoi. C'est vraiment quelqu'un que vous adorez, qui vous donne beaucoup, oui. Oui, et qui a été très présente, et d'ailleurs même dans des contextes, je dirais... complètement loufoque parce qu'elle était, elle a mis le scandale dans un restaurant un jour et c'était très drôle finalement. C'était une femme exceptionnelle, c'est une grande dame, c'est une grande comédienne parce que je pense qu'on lui a pas rendu hommage comme il aurait fallu le faire. Et j'avais envie de le faire et ça me fait bien plaisir. Alors. Ce qui est terrible pendant toute votre enfance, en fait, c'est que le sujet Michel Sardou, chez vous, est un tabou. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, sauf pour dire que c'est un abruti. Ou alors quand il passe à la télé, on zappe. Donc en plus, vous vivez dans le déni de votre père pendant toute votre enfance et votre adolescence. Oui, je veux dire, on nous a fait aussi du bourrage de crâne pendant très longtemps. Ouais. Et ça, il faut le dire aussi. Et donc effectivement, quand vous avez du bourrage de crâne pendant tout ce temps, vous... C'est normal qu'au bout du compte, vous disiez, effectivement, ça peut... Ça gâche les relations, quoi qu'il arrive. Ouais. Alors, je disais, en commençant, que votre livre était extrêmement bouleversant, parce que vous vivez, finalement, dans cette maison où on critique votre père sans arrêt,
quand vous voyez votre père, il vous traite de tas de merde, et pour vos 12 ans, votre beau-père vous roue de coups carrément, vous êtes complètement recroquevillé, tout ça. Donc à un moment, évidemment, c'est très bouleversant cette histoire, on souffre pour vous. Quand vous êtes dans l'incapacité de bouger, et quand vous, effectivement, vous êtes au sol et que vous ne pouvez pas bouger pendant un temps, la seule arme qui vous reste, c'est votre esprit. Mmh. Et c'est ce qui s'est produit également dans la tentative de meurtre. C'est-à-dire que votre mental, il reste que ça pour finalement trouver, pour garder et pour rester en vie. C'est un instinct de survie. Est-ce que votre beau-père, il vous bat parce que vous recevez des copines en pantoufles, par exemple? Moi, je me suis demandé sincèrement ce que je faisais là. Je veux dire, j'avais rien à faire là. Et c'est logique, vous partez à un moment donné parce qu'il n'y a rien à faire. Alors justement, Cynthia, quand vous partez pour faire des études, tout ça, vous apercevez qu'en fait, le fric que Michel Sardou donne à votre mère, votre beau-père le garde pour lui. Donc en plus, vous n'avez même pas les moyens de faire des études. Enfin, vous êtes complètement bloqué. Je me suis offert une année ici parce que j'ai voulu le faire. J'ai travaillé pour ça. J'ai travaillé pour payer mes études, effectivement, voilà. Même si c'était pas énorme. J'ai fait ce que j'ai pu, tout simplement. Mais vous êtes courageuse. Hein. Non, c'est vrai. Et malgré tout, à un moment, vous pensez à vous suicider quand même. Oui, effectivement. Et c'est un cloche. Vous êtes sauvée par une épave. Un alcoolique qui me sauve la vie, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Alors, vous commencez à vous en sortir, vous commencez à bosser. Jackie Sardou vous fait rentrer chez Daniel Filipacchi comme maître d'hôtel. C'est excellent. Il était sympa, Daniel Filipacchi? Assez, oui, bien sûr. Ça se passait bien? Très bien. Voilà. Là, vous faites des petits boulots, des petits jobs, vous commencez à vous intégrer à la société, vous commencez à exister, vous travaillez à e-télévision, donc, qui est une filiale info du groupe Canal+. Et là, un soir... Voilà, vous quittez e-télévision, vous rentrez chez vous et dans le parking de votre immeuble, vous êtes carrément enlevé par trois mecs. J'ai été suivie en voiture et puis j'ai été enlevée dans ma voiture. Trois mecs qui vont vous violer pendant 2 heures. Oui, qui vont m'enlever, me séquestrer avec un couteau, bien sûr. Le couteau est pas loin, en tout cas. Et puis, en plus, je sais même pas où on m'emmène. Je sais pas ce qui va m'arriver. Effectivement, on peut s'attendre à tout. Parce que quand on voit le visage d'un criminel et qu'on peut le reconnaître, effectivement, j'étais à deux doigts d'exploser dans mon auto. Donc, c'était... Ouais. Alors à ce moment-là, votre mec vous lâche. Et à un moment, Sardou, pour vous rejoindre à ce moment-là, a un accrochage dans le tunnel de la Défense et se brise la mâchoire. Bon, c'est vraiment un enchaînement de choses absolument, absolument terribles. Et vous trouvez refuge, en fait, chez Michel Sardou, qui vient de se remarier donc pour la troisième fois avec Anne-Marie Perrier. Vous commencez à vivre un peu chez eux. C'est lui qui vous le propose, en fait. Oui, tout à fait. Et au bout d'un moment, il vous le reproche. Oui. Oui, effectivement, il y a un mois tout juste après les faits, j'avais quand même dans le sang un traitement de VIH qui est quand même difficile à supporter parce qu'en plus j'ai repris le travail 10 jours après et je suis retournée à la chaîne. J'étais en traitement thérapeutique et effectivement j'avais toujours dans ma tête, je me demandais si j'allais avoir le sida ou pas. Ouais. Et effectivement, je travaillais à la chaîne, je rentrais le soir et tout ça. Et puis effectivement, un matin, j'ai eu effectivement une engueulade avec mon père en privé. Ouais. Et on m'a foutu dehors, quoi. Ouais. On m'a foutu dehors. C'est-à-dire qu'en fait, il vous reproche de squatter non seulement son appartement, mais sa femme. Et puis, alors, ce qu'il y a pire que tout, c'est qu'il vous dit que vous mangez du poisson et que ça lui coûte plus cher que la viande. Ça, j'avoue que ça m'a complètement... Je ne peux pas manger de viande. Ouais. C'est impossible pour moi. Je ne pouvais pas parce que, suite aux faits, c'était impossible. Bien sûr, ouais. Et parce que je ne me forçais pas. Et je me suis forcée, en plus de ça, parce qu'il m'a quand même fait manger de la viande. Ouais. Je ne le dis pas, mais ce n'est pas grave. Ouais. Alors, il vous dit que vous êtes nul, que votre thérapie, c'est de la merde. Enfin, vraiment, on ne peut pas dire qui vous aide. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'en fait, vous n'en auriez pas parlé, on ne l'aurait jamais su. C'est-à-dire que tous les journaux, tous les magazines français, les radios, les télévisions, ont accepté de ne pas parler de votre viol. Je le dis aussi. Oui, vous le dites, oui. Et alors, lui, en fait, il ne va pas au procès, justement,
Pour pas qu'on en parle, pas. J'imagine. Je ne demandais pas à ce qu'il soit là, parce qu'effectivement, la presse aurait pu attirer l'attention de la presse, ouais. Justement. En revanche, un coup de téléphone ou un petit mot gentil, ouais. Avec un bouquet de fleurs, ça fait de mal à personne. Ouais. Alors, vos agresseurs sont condamnés à 15, 13 et 10 ans de prison, ce qui est plutôt bien, non ? Plutôt pas mal. Mmh. Mais alors, votre père, qui a toujours parlé de faire justice lui-même, qui a toujours dit qu'il était pour la peine de mort, il a laissé la justice faire son travail sans intervenir sur ce coup-là. Effectivement. Mmh. Ouais. Alors, quelles ont été les réactions de Michel Sardou à votre livre ? Il a eu une très bonne réaction. Mmh. Il a très bien réagi à ça. Et c'est plutôt agréable à entendre. Mmh. Et je suis ravie. Il y a de la rabiboche dans l'air ? J'en sais rien. Il a dit qu'il reconnaissait qu'il n'avait pas été un bon père, d'une certaine façon. Bien quoi. Sûr. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que Michel Sardou s'est comporté comme ça avec vous? Parce que lui aussi a été... finalement, il n'a pas eu ses parents. Il était en pension au Moncel. Il voyait rarement son père, rarement sa mère. Et peut-être ça ne l'a pas habitué à être un bon père, d'une certaine façon, non? C'est pas... Je n'en veux même pas d'avoir été absent. Ouais. C'est marrant. Moi, je n'en veux pas d'avoir été absent, parce qu'un artiste, déjà, ne se comporte pas comme quelqu'un de normal. Ce n'est pas quelqu'un de normal, un artiste. Ouais. Un artiste, c'est quelqu'un d'à part, différent des autres, qui reste dans une... qui est solitaire. Et donc, je ne lui en veux pas d'avoir été absent, parce que je sais qu'il a donné ce qu'il fallait. Donc, je ne lui en veux pas pour ça. D'ailleurs, je ne lui en veux pour rien. Moi, je suis partie et j'avais des raisons très personnelles de le faire. Et d'ailleurs, j'ai écrit ce témoignage parce que j'ai eu d'autres pressions aux États-Unis et que j'en ai eu assez. Mais quelles pressions vous avez eues aux États-Unis ? J'ai eu des coups de fil désagréables parce que j'avais écrit ce témoignage au départ pour moi et j'en ai eu assez de supporter parce que tout ça, ça a fait remonter la peur. Et mon passé, et j'en ai eu assez, je me suis dit que les gens avaient le droit de savoir. Ouais. C'est tout. Vous l'avez vu quand pour la dernière fois, Michel Sardou ? Je l'ai vu il y a 2 ans et demi, c'était juste avant mon départ aux États-Unis. Ouais, pas depuis. Je l'ai vu au théâtre, ouais. Que je le cite. Ouais. Il vous a téléphoné depuis l'apparition du livre ? Non. Vous pensez que ce livre va aider ou aggraver votre relation avec lui ? Déjà, il n'y a pas de relation pour l'instant, donc. Il n'y a pas de dialogue, effectivement. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à en avoir. Moi, j'ai fait un choix. Je suis partie parce que c'était la seule façon de m'en sortir. Maintenant, je vous dis sincèrement que si je continue à être embêtée là-bas et si on continue, je ne vais pas non plus pousser loin les pressions, mais j'irai jusqu'au bout. Vous regrettez pas de ne pas lui avoir dit tout ça de vive voix plutôt qu'à travers un livre, hein, votre père ? J'ai essayé de le faire plusieurs fois et ça, y a pas de dialogue. Le dialogue ne passe pas. Est-ce qu'après ce livre, vous êtes prête pour une nouvelle vie ? Ah, complètement, complètement. C'est un tournage de page, quoi. Complet. Mais j'ai déjà tourné la page. Ouais. Moi, je suis déjà passée à autre chose depuis un moment. Mmh. J'ai reconstruit donc ailleurs et j'ai des projets. Je travaille sur plusieurs choses en même temps. J'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Ouais. Moi, j'ai envie de me marrer dans ma vie. Vous voyez, Vous allez fonder une famille, Cynthia ? Bien sûr. Vous en pensez quoi de son histoire, Ariel ? Je ne sais pas, mais votre grand-mère... Jackie Sardou, qui semblait une personne tellement adorable et truculente, ne pouvait pas vous aider dans Elle l'a fait. Elle l'a fait, Elle l'a fait, bien sûr. Mais jusqu'à un certain point, quoi. Elle ne pouvait pas faire en sorte que son fils s'intéresse un peu mieux à vous. Certainement, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que je les aime, mes parents. Je les renie pas. Je renie personne. Sauf qu'il y a un moment, il se passe rien. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Je veux dire, il n'y a pas d'issue. Vous ne pouvez pas changer les gens. Monsieur le ministre, le mot de la fin. Non, je suis un peu gêné, pardon de vous le dire, parce que je crois que dans les affaires privées, vraiment quand il s'agit de la vie des couples, la vie amoureuse des gens, la vie affective avec ses parents...
personne, non seulement ne peut juger, mais personne n'a le droit de juger. On ne peut pas dire qu'on dise des vérités. Il n'y a pas de vérité dans ces affaires-là. Quand des gens se séparent, quand des gens se fâchent, entre parents-enfants, entre si proches que ça, entre mari et femme, personne n'a le droit ni le pouvoir de savoir ce qui s'est passé vraiment. Et donc, je suis... Au fond, ce que vous dites là... Il faut le, enfin, probablement c'est à lui que vous le dites d'ailleurs, mais il faut le dire à votre père, peut-être à votre analyste, mais au fond, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment du courage à le publier. En plus, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour vous. Voilà. Mais bon, il faudrait en parler un peu plus longuement. Mais dans ces affaires-là, ne croyez pas que personne ne pense qu'on puisse dire « Ah, il est mauvais, il a tort, il a raison » ou « la pauvre » ou « le méchant ». On ne peut jamais savoir comment ça se passe. Peut-être que ce que vous dites est entièrement vrai, mais de toute façon, moi, je ne le saurai jamais. Personne ici ne pourra jamais juger. Et donc, peut-être sont des choses qu'il faut dire à lui, mais pas aux autres. Et donc, je suis toujours un peu gêné quand la sphère privée s'étale en public, alors que, bon, voilà, vous livrez ça aux chiens, si je puis dire, à des gens qui vont dire du mal de lui, dire « Ah, oh, c'est un salaud !» Mais personne n'en saura jamais rien. Moi aussi. Oui, mais c'est votre affaire, c'est avec lui, si vous voulez. Il faut régler ça avec son père, mais pas avec les autres. Michel Sardou est très secondaire dans mon histoire, quand même. Oui, enfin, si c'était pas lui, on n'en parlerait pas ici, il faut être honnête. Pas sûr. Oh, si, si, ça, il y a des millions. Cynthia Sardou, appelez-moi Lilou, c'est publié aux éditions du Rocher. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, moi je voulais m'excuser auprès de vous si j'étais peut-être un peu comme ça, un peu brutal, un peu choquant, mais c'est parce que... Bah, c'est gentil à vous. C'est juste pas. Parce que... Ouais, bah, apparemment, oui. Ouais. Et puis on sent une vraie souffrance chez vous. Non, simplement que j'ai vraiment peur qu'en passant du très privé comme ça au public, vous soyez extrêmement déçus après, parce que le jugement des autres a probablement aucun rapport avec ce que vous avez vécu. En tout cas, n'attendez pas d'eux qui comprennent forcément ce que vous disiez ou qui puissent être juges en l'affaire. C'est vrai que quand on écrit un livre et qu'on ne le déchire pas après... C'est quand même qu'on a besoin des autres pour comprendre ou pour juger ce qu'on a vécu. Et quand c'est des affaires très privées, je crois qu'on risque de se tromper, d'être déçu. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire surtout. Mais pas à ces points méchanceté. Moi, je voudrais vous répondre simplement que le crime n'a pas de visage. Et que quel que soit le contexte social où que vous soyez, le crime arrive n'importe où, n'importe quand. Et qu'il n'y a pas de lieu. Et en revanche. Il n'y a pas de... tout peut arriver dans une existence. Tout est possible et rien n'est impossible dans le cours d'une existence. Et c'est ça le message. Merci bien. Merci. Cynthia Sardou, appelez-moi Lilou, c'est publié aux éditions du Rocher. Luc. Je vais vous dire au revoir. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était un bonheur. Et à bientôt. Donc, quand vous voulez. Vous êtes très gentil à vous. Voilà. Merci à vous. J'accueille maintenant Juliette et Guillaume Depardieu. Ça va ? Un bordel, la peine, on arrive. Comment ça va ? Ça va ? Ça va depuis... Comment ça va, Guillaume ? Ça va ? Ça va bien, ça. T'es rentré l'autre soir, ouais. T'es rentré directement. Ouais, je suis rentré directement. On s'est retrouvés dans une galère tous les deux. Ah bon ? À 4h du matin, ouais. À un moment, on s'est dit qu'il faut s'arracher. Donc toi, tu es rentré. C'est bien. Sagement. Sagement. Finalement, c'était tu es... C'était rue de Ponthieu, je n'en dirai pas plus. No comment. No comment. Bonsoir, ça va ? Bonsoir Thierry. Oui, ça va bien. Alors Guillaume, avant de parler de l'album de Juliette, qui est excellent, je voudrais quand même que tu réagisses au témoignage de Cynthia. Difficile d'avoir des parents célèbres, apparemment, non ? Tu sais, Luc Ferry n'est pas très philosophe, ni psychologue, ni quoi que ce soit. Enfin, ouais. Je sais pas. Tu as trouvé il qu'il est encore dans nos murs, mais... Tu penses qu'il a manqué de compassion dans sa réaction au livre de... Non, il était assez populaire, quoi.
un peu balai du rien. Qu'est-ce que tu aurais à lui dire, toi, par rapport à ce que lui a dit Luc Ferry? Avance, avance. Ce qu'elle fait. Oui. Alors Juliette, c'est l'explosion là, non? Ça y est là. Oui. Hein? J'en ressemble un peu tout là pour l'instant. Ah oui, c'est énorme là ce qui se passe en ce moment, non? C'est marrant. Ouais. C'est un développement de carrière. Il y a deux écoles de développement de carrière qui se font un an, deux ans. Et moi, ça prend 20 ans, mais je suis pas pressée, alors c'est cool. Ouais. Là, d'un coup, ça marche. Il y a des articles dans tous les journaux, on vous voit dans beaucoup d'émissions. Il y a de la pub télé, en plus. On peut pas regarder la télévision sans voir un petit spot pour votre nouvel album. Ça va devenir aussi agaçant que les choristes, que Amélie Poulain en son temps et tout. On va dire, comment tu connais pas Juliette? Oh non, j'échappe à ça, ça va. Ouais. En tous les cas, l'album est très bien accueilli, c'est le moins qu'on puisse te dire. Ça s'appelle Mutatis Mutandis. C'est la première grosse surprise de l'année 2005. En tous les cas, une des meilleures ventes depuis l'album d'Ariel, qui continue à bien se vendre d'ailleurs, je crois. Ah bah oui. Là, en ce moment, ça se vend encore. Ouais, 8 000 par jour. Alors, vous avez une presse très, très élogieuse. Oui. Depuis des années, la presse est élogieuse. Oui, oui. Mais là, elle est d'autant plus élogieuse qu'elle est relayée par... par la télé, par la radio. Il y a un premier single qui passe beaucoup en radio. Ouais, c'est la première fois. Ouais. Qui s'appelle Les garçons de mon quartier. Alors Juliette, maintenant que ça marche très bien pour vous, est-ce que vous avez fait la connaissance d'Orlando? Pas tout de suite, non. Non? Pas encore, mais ça va. Je vais être approchée, j'espère. Ben, j'espère bien. Vous savez que Orlando exige le clip? Oui, absolument. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc vous allez regarder votre caméra, celle où il y a le rouge, et vous allez dire Magnéto Serge. Magnéto Serge. Nuit et jour en maraude, ils vivent de fumée et de diverses fraudes, les garçons de mon quartier. Et moi je vais prier, l'homme a dans nos yeux fermés, impassible sous les fleurs et sous son voile de douleur. Ô Sainte Vierge des tueurs, j'aime à croire que tes pleurs sont pour tes fils abandonnés. Les garçons de mon quartier. Voilà, Les garçons de mon quartier, extrait du nouvel album de Juliette qui s'appelle Mutatis, voilà. Alors ça passe beaucoup. Et puis il y a aussi deux duos sur cet album. Il y en a un avec François Morel qui s'appelle Mes mères dans les orties. Ouais. Vous vous insultez copieusement. Certains se donnent des noms d'oiseaux, nous c'est des noms de poissons. Ah ouais, ça y va. Hein. Ah ouais, la morue, le maquereau, enfin tout y passe. Ouais. À la fin, ils vous traitent quand même de liposucé, quoi. Ouais, mais on a fini par censurer, parce qu'on avait une coda de chanson qui était plus longue que la chanson. Donc on est parti dans la pro et c'était terrible. Ouais. Et puis il y a un duo avec Guillaume Depardieu, une chanson magnifique qui s'appelle Une lettre oubliée. Oui. Alors en deux mots, c'est un jeune homme qui écrit une lettre à sa bien-aimée. Ça commence comme ça, par une lettre à sa bien-aimée. Et puis très rapidement, on entend une voix de femme qui est finalement en train de relire cette lettre des années plus tard et qui se souvient absolument pas qui est-ce qui a pu lui envoyer ça. Et c'est une lettre poignante, d'autant plus qu'en avançant dans la chanson, on s'aperçoit que le garçon est en train de l'écrire, il est au front. Ouais. On l'appelle, il est 5 heures et il va falloir y aller. On ne sait pas ce qui va devenir. En tout cas, il lui demande en conclusion de ne... Si jamais il lui arrivait quelque chose, de ne jamais l'oublier. Voilà, raté quoi. Ouais. Mon cœur est de mes bras. L'avoir envoyé. Si tu savais quel ennui, loin de nos jeux amoureux. Est-ce André ou est-ce Henri? Est-ce Paul aux si beaux yeux? Rien n'est distrait, la folie qui monte.
Oh non, ça ne peut être lui. Mon amour, mon feu, ma joie, je reviendrai, sois-en sûr. Vrai, c'est la première fois que je vois cette écriture. Ton portrait posé sur moi me protège et me rassure. Cette lettre entre mes doigts serait-elle une imposture? Oui, l'enfer est de ce monde, mais le pire est de compter ces heures, ces jours, ces secondes. L'amnésie profonde, cet amant-là s'est noyé. Voilà. Très très belle chanson, très belle chanson. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous racontez que quand Guillaume est venu pour interpréter sa partie du duo, dans le studio, tout le monde avait les larmes aux yeux. Ouais. C'était un moment super émouvant. Lui, il s'en est pas rendu compte. Il était dans la cabine. Une prise. On en a fait trois. On a gardé la deuxième parce que la première était très tendue. Et puis il y avait évidemment la découverte de la musique, de la chanson. C'est toujours un peu. Bah, il faut se mettre dedans, quoi. Ouais. Et on a gardé la deuxième qui était absolument magnifique, tout en émotion, en fait. Et puis c'est vrai que quand il a commencé dans le studio, on était tous. Moi, je ne le regardais plus. C'est pour ça que je ne lui donnais pas les départs. Et tout. Ouais. Il était à la rue complet. On était tous comme ça, on ne se regardait plus. Ouais. On était, l'ingénieur du son, il était là, ouais. Je voyais, il avait la tête rentrée dans les épaules. Et on était dans une émotion folle quand on commençait. Vous avez une voix très émouvante. C'est la première fois, Guillaume, que tu chantes comme ça ? Sur un duo, oui. Ouais. Mmh. C'est beau, hein ? T'es doué, hein ? Ouais. Non, c'est vrai. Hein. Vous dites c'est un ange. Ouais, c'est un ange. C'est comme ça qu'ils sont, les anges. Ouais. Ouais. Fêlé. Un ange fêlé. Un ange fêlé, oui. C'est comme ça, les anges. Alors, c'est vrai, bon, ben voilà, donc maintenant vous faites des duos, vous avez des passages radio, de la pub télé, donc vous n'êtes pas du tout en bisbille contre votre maison de disques, vous. Je fais jamais rien comme les autres, donc en fait, ma maison de disques, je l'adore. Ouais. Vous êtes prête à jouer le jeu, donc? C'est pas jouer le jeu, c'est eux qui jouent mon jeu, en fait. Parce que moi, finalement, c'est ça, l'idée, c'est que bah, j'écris des chansons et puis ça leur a bien plu, hein, déjà, les maquettes. Et puis voilà, quoi, après, je suis arrivée avec des idées en disant, bah, j'aimerais bien faire un duo. C'était le showbiz, c'est voilà. Les années. Enfin, on va voir à quoi vous êtes prête pour réussir. On va faire une interview, je joue le jeu. Juliette, seriez-vous prête à dire chez Jean-Pierre Pernaut qu'on paye trop d'impôts? Non, jamais de la vie. Moi, je trouve qu'on paye des impôts, ça fait marcher la communauté, c'est important. Seriez-vous prête à aller dans une émission d'M6 en string? Je suis pas sûre quand même. Non. En string, non, peut-être pas. Ou alors à l'envers. Vous seriez prête à parler patois dans un journal régional de France 3? Oh, bien sûr. En string, toujours? En string aussi, à l'envers. Mais en string à poil, par contre. En string en peau de bête, quoi. Un truc comme ça, plus régional. Ou en terre cuite. Le string en terre cuite. Il est bien, le string en terre cuite. Il est bien. Qui est spécialiste du string en terre cuite, ça le fait terrible, surtout à l'envers. Vous seriez prête à vous balader sur la plage du Touquet, topless, en attendant qu'il y ait un paparazzi qui passe? Ça logerait pas dans l'appareil photo, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Le Justement, vous seriez prête à perdre du poids? Oh, ça, peut-être je le ferai un jour, mais parce que j'aurais envie, mais pas pour des raisons. Là, tout va bien, ouais. Pas pour des raisons de réussite. Ouais. Non. Est-ce que vous seriez prête, toujours pour réussir, à vous enfermer dans une ferme avec Massimo Gardia? Dans une ferme, oui, avec Massimo Gardia. Est-ce que vous seriez prête à dire que vous êtes la fille cachée de Josiane Balasco et de Coluche? Je suis la fille cachée de Josiane Balasco et Coluche. Oui, c'est quelque chose de Marie-Lou Berry, c'est vrai, oui. Mm-hmm. Ah oui, ça c'est compliqué. Vous seriez prête à passer un après-midi complet chez Drucker? Dimanche. S'il y a des pauses, hein, quand même. Mais il y a des pauses, non, forcément, il y a 3 millions d'amis, des trucs comme ça. Bien non, sûr. On a un peu de répit de temps en temps. Vous seriez prête à faire un duo avec Michel Sardou? Si c'est moi qui écris la chanson, peut-être. Hein, si c'est ses auteurs habituels, non. Vous seriez prête à faire un duo avec le gagnant de la dernière Starac? C'est qui?
Grégory, non? Il est charmant, Grégory. Ah, il est bien, Grégory? Ariel. Ben oui. Il est temps que tu reviennes, Bernard. Alors, je serais prête à écrire un duo pour réussir pour Ariel, voilà, et Grégory. Est-ce que vous seriez prête à passer plus de temps dans les soirées People qu'en studio? Ça, j'aurais du mal. Ouais. En fait, les soirées People, j'aurais du mal parce que... Vous avez déjà un portable, en fait. Ouais. C'est ça, puis je sais pas, c'est pas trop mon truc, quoi. Je préfère la ferme. Sans Massimo Gargia, mais je préfère la ferme. Vous seriez prête à revenir dans cette émission? Avec plaisir. Antisocial à tout faire, ton sang au froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Alors, Guillaume, tu la trouves comment, Juliette? Tu la connaissais pas? Non, pas du tout. Alors, ça va? Alors, ouais, mais moi, j'ai écouté son duo, elle me l'a envoyé comme ça. Ça arrivait un jour par hasard, et puis j'ai écouté... En fait, elle faisait les deux voix. Et puis j'ai écouté ça et puis je me suis retrouvé avec la larme à l'œil et ma fille qui me dit « Papa, pourquoi tu pleures ?» Elle est belle la chanson, hein. Ouais, elle est très belle cette chanson. Alors Juliette, votre vrai nom c'est Juliette Noureddine, hein. Vous êtes née en 1962 à Paris, mais vous êtes d'origine kabyle. Votre grand-père, Lucien Noureddine, alors là c'est extraordinaire l'histoire, il a débarqué d'Algérie. Au départ, il lavait des tramways à Marseille dans les années 20 et il s'est retrouvé directeur honoraire des renseignements généraux à Paris. Il a fait une belle carrière. Hein. Bah ouais, c'est énorme. Ah, c'était un malin. Comment il a fait? Alors, comment il a fait? De ce que j'en sais, parce que je ne suis pas très, très au courant, il avait quand même son certificat d'études en poche. Il a travaillé pour un avocat à Alger qui s'est aperçu qu'il était malin et qui l'a aidé à partir en France et à faire des études. Et en fait, les études qu'il a choisies, c'est, je crois qu'il a fait une licence d'histoire et il a fait Sciences Po. Et il est rentré dans la police, en fait, comme inspecteur de police, puis il a fait son chemin. Ouais. Il a fait son chemin, voilà. Alors ça, c'est le grand-père. Votre père, lui, était plutôt saxophoniste, clarinettiste, enfin musicien. Alors chez vous, vous entendiez aussi bien du Boulez que du Bobby Lapointe. Hein. Ouais. Et puis jusqu'au jour où il est rentré dans l'orchestre du Capitole à Toulouse. Et voilà. Et là, vous êtes allé habiter à Toulouse. Et à 18 ans, quand vous décidez de devenir chanteuse, vous jouez dans un club qui s'appelle le Grand Méchant Loup, avec des personnages assez extraordinaires. Un travelot qui s'appelait Joséphine Shadock. Absolument. Joséphine Shadock, c'est un espèce de personnage invraisemblable. C'est des gens comme ça qui ont tout connu, qui ont tout fait dans leur vie et qui se retrouvent... Elle était âgée, hein, quand j'ai rencontré, elle devait avoir 60 ans passés, ce qui pour elle était âgée, vu ce qu'elle avait fait avant. Et qui chantait des chansons, un peu canaille comme ça, à côté, et qui jouait du piano, en fait, s'accompagnait au piano. C'est en fréquentant Joséphine Shadock que vous avez pris le goût des amours interdites, non? Oh, ça n'a rien à voir. Ça devait être avant, ça, je pense. C'était encore avant? Oh, bah oui, il y a 18 ans, c'est fait, ça. Ah ouais, enfin, je crois qu'on peut le dire, parce que vous l'avez dit, vous êtes paxé avec une fille. Quoi? Hein? Oui. J'étais pas au courant, moi, c'est quoi? Alors, c'est quoi cette émission? Mais on ne dit rien, Laurent. Scandaleux. Elle a eu une phrase, Juliette, géniale. Elle a dit « Mon Roméo s'appelle Juliette », c'est très bien. C'est joli. Ouais, très belle phrase. Voilà. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Mais j'assume très tranquillement, mais je ne fais pas de militantisme ni pour ni contre. Enfin, je suis... voilà, ça fait partie du domaine privé. C'est pas super important. Ouais. Mais en même temps, si je trouve que c'est important de le dire très tranquillement, parce que ça peut peut-être éventuellement faire avancer les choses. Bah, d'autant plus, Juliette, que l'homosexualité féminine est quand même beaucoup plus tabou aujourd'hui en France et en Europe que dans l'homosexualité masculine, non? Vous trouvez pas? On fait moins de bruit, nous, les filles, c'est ça, en fait. En règle générale, on fait moins de bruit. Mais j'imagine que c'est plus facile d'être homo dans un milieu un peu d'artiste, comme ça a toujours été, qu'en étant à la poste, quoi, ça c'est clair. Ouais. C'est sûrement beaucoup plus facile, c'est évident. Il y en a à la poste. Et pourtant, c'est un nid, la poste. On ne sait pas. Mais c'est clair, hein. Oula. D'ailleurs, moi, je le dis, si on veut draguer, c'est pas compliqué. C'est la poste. La poste, il n'y a que ça. T'es prêt pour une Hardy View, toi? Hardy View, Guillaume Depardieu. Guillaume, tu penses à quoi, là, en ce moment? À l'homosexualité. Féminine ou masculine? Les deux. Les deux. Et alors? Je me sens totalement bi, moi. Ouais, ouais. T'es assez beau comme mec. Ouais, c'est un beau gars. C'est un beau gars. Il n'a pas inventé la poudre, hein, mais c'est un beau gars. Tu te dis quoi quand tu te regardes dans la glace le matin? Je crois en Dieu, mais dans le mauvais sens. Ta plus belle histoire d'amour, c'est laquelle?
maintenant, c'est bien. Ouais, ça va là. Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Hier. Pourquoi? J'écoutais une chanson. Ouais. Tu changerais quoi en toi si t'avais une baguette magique? Tout. Tout? Ouais. Pas la tête, là. Ah, si, si. Elle est tout. Bien. Tu trouves pas qu'il est beau, Cynthia? Il est charmant. Ah. Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus négatif sur toi? Je suis un égoïste. Tu ferais quoi si tu restais 24 heures à vivre? Prends un crédit. Oui, je prendrais un crédit. Bravo, Laurent. Bravo. T'as déjà pensé au suicide? Oui. Et alors, pourquoi tu l'as pas fait? Mais je l'ai fait, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ouais. On est tous pareils. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à maintenant? Rien. Rien. Comment aimerais-tu mourir? Vite. T'as menti, là, depuis que tu me réponds? Non. Tu leur fais tirer une carte, Laurent? C'est quoi? Vous devez vous allonger et parler de votre enfance. Hein. Eh ben voilà, bah écoute. Je suis obligé de m'allonger là. Ouais, là, sur la scène, c'est mieux. Ça va faire hyper désordre. Bon, non. Attends, parce que les tabourets sont hauts à la télé, ouais. À chaque fois je me... Alors. Laurent, tu fais le psy? Si tu veux. Les tabourets. Bon, allez, parle-nous de ton enfance, Juliette, allez. Je suis emmerdante, moi, parce que, en fait, je suis un cas d'école. Hein. Ouais. Mes parents s'aimaient beaucoup. Mmh. Ils étaient vachement gentils avec moi. Mmh. Et ils me laissaient faire exactement ce que je voulais, mais en même temps, ils m'ont appris des notions essentielles comme le bien, le mal, l'honnêteté, l'obéissance, la tolérance, le respect, des choses comme ça. Donc, c'est assez gavant, quoi. Parlez-moi de votre éveil à la sexualité. Mon éveil à la sexualité a dû se faire à un âge relativement normal. J'ai eu vers 13 ans, quoi, 12-13 ans. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Je pense que ça s'est passé comme beaucoup de gens, par une espèce de rêverie romantique autour de personnages de romans. Moi, je suis tombée dans les malheurs de Sophie, les trucs comme ça. Ah, c'est la comtesse Ségur. Parce qu'il y a des tas de gens qui se fouettaient et tout, c'était vachement bien, j'adorais ça. Les poissons qu'on découpe, les poissons rouges. Oui, il y avait des trucs super cruels, sanglants et tout ça, j'adorais ça. Donc je pense que ça. Déjà sanglant à l'époque. Ouais. Voilà. Ça commençait bien, hein. C'est pas moi. Il est ventriloque. Est-ce que tu veux qu'on fasse tirer une carte à Guillaume? À Guillaume. Vous pouvez, docteur? Oui. Merci, Juliette. Bravo. Bravo, Juliette. 100 euros. Merci. Pourquoi tu me tends celle-là? T'as pas besoin d'une autre, hein. Ah. Ah, dommage. C'est quoi? J'aurais pu le faire. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain l'internationale sera le genre humain. Est la tourlute finale. Es la lucha final. Nos grupamos y vamos mañana a la playa. La revolución de Zapata, pata. Très ouais. Bien, Ariel. Ariel, je vous laisse filer. Merci d'avoir été avec nous. Gracias. Cynthia aussi, merci d'avoir été avec nous. A bientôt, courage. Ciao. Gracias, gracias. A bientôt.
J'accueille maintenant Serge Billet et John Williams. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Serge Billet, vous êtes journaliste à RFO et vous publiez au Serpent à plumes un livre qui s'appelle « Noir dans les camps nazis ». Et vous, John Williams, vous êtes chanteur, vous avez bercé mon enfance. Merci beaucoup. Avec toutes vos chansons qu'on écoutera tout à l'heure. Mais vous êtes ici parce que vous avez été déporté dans les camps nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors, prenons les choses par le commencement. Serge, vous vous intéressez aux pages méconnues de l'histoire du peuple noir. Par exemple, vous êtes intéressé aux bonnies. Les bonnies, ce sont des noirs qui sont en Guyane et en fait qui ont gardé les noms et les traditions africaines qui continuent à vivre exactement de la même façon. Ce sont des gens qui, malgré l'esclavage, ont réussi à conserver des traditions africaines. Voilà. Et qui continuent encore aujourd'hui à vivre des traditions africaines qui n'existent même plus, mais ouais. Qu'eux ont su conserver donc, depuis l'esclavage. Voilà. Alors, vous êtes intéressé aussi à Saint-Maurice, qui est un saint noir. Qui est originaire d'Égypte, engagé dans l'armée romaine à l'époque, et qui a été décapité en Suisse, voilà, qui est vénéré en Suisse d'ailleurs. Décapité dans le Valais suisse, voilà. et qui est vénéré tous les 22 septembre à l'occasion d'une grande manifestation où les reliques sont sorties, et c'est le premier saint noir de l'histoire de la chrétienté. Voilà. Alors vous intéressez à tous ces trucs-là, et puis un jour vous découvrez que des noirs ont été déportés dans des camps nazis, hein. Dans les camps de concentration, ouais. Grâce notamment à un reportage que j'ai vu sur John Williams, où il racontait sa déportation. Et je me suis dit qu'au-delà de ce cas unique, il y a eu forcément d'autres voilà. Noirs qui ont été déportés. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le sujet en 1995. Voilà. Alors ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'en fait, les Noirs dans les camps, ça n'a pas débuté avec Hitler. Au début du XXe siècle, en Namibie, qui est la partie ouest de l'Afrique du Sud. Hein. C'est vrai qu'on ne le sait pas toujours, ouais. Mais les premiers camps de concentration n'ont pas été construits donc, avec l'Allemagne hitlérienne, ils ont été construits donc, en Namibie en 1904, lorsque l'Allemagne a voulu donc, avoir des colonies là, de ce côté-là. Elle s'est opposée à un peuple là-bas qu'on appelle les Herero, et il y avait 80 000 Herero, et justement pour les exterminer, les Allemands ont construit des camps de concentration où on a tué donc, à peu près 60 000 personnes. C'était les mêmes camps qu'on a retrouvés ensuite au moment de la Seconde Guerre mondiale, avec des barbelés, des baraques en bois, des gens qui étaient rachitiques. La seule différence, c'est qu'il n'y avait pas, à l'époque, de four crématoire. On pendait directement donc, les gens. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'il y avait deux individus qui étaient importants, qui étaient déjà là. C'était Heinrich Göring, le père de Hermann Göring, qui était le gouverneur de Namibie. Et il y avait surtout Eugen Fischer, qui faisait des expériences scientifiques dans ce camp et qui était plus tard le maître à penser de Joseph Mengele, qui était le bourreau d'Auschwitz. Voilà. On en vient à Hitler. Hitler, en fait, il a commencé à écrire contre les Noirs dans Mein Kampf, parce qu'après la Première Guerre mondiale, en fait, la France a occupé la Rhénanie, et il y avait des troupes de soldats noirs qui ont occupé la Rhénanie, et il dit dans Mein Kampf, les Juifs ont emmené les nègres en Rhénanie pour souiller et bâtardiser la race aryenne. Donc il y avait déjà cette haine de la présence de Noirs en Allemagne, quoi. C'est clair, parce que pour Hitler, il était incompréhensible que des Noirs puissent occuper le sol allemand, et surtout qu'il puisse y avoir des rapports entre les soldats noirs et les femmes allemandes. Et il y a eu des enfants qui sont nés de ces rapports-là. Ce qu'on appelait les bâtards de la Rhénanie. Oui. Et lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, bien sûr, il s'empresse de les stériliser et d'envoyer donc ses enfants dans les camps de concentration. Voilà. Alors vous, John, votre mère est ivoirienne, votre père français, et votre mère, en fait, a été offerte à l'âge de 15 ans par son père, qui était chef du village, à ce Français de passage. Et ensuite, le père a quitté la région. Et quand il est revenu, vous aviez 2 ans, et il a dit « Oh, il est mignon, ça, je le prends avec moi, quoi. » Et c'est comme ça que vous êtes retrouvé en métropole. C'est exact. C'est-à-dire, il m'a emmené, mais il a laissé ma mère dans le village de Côte d'Ivoire. Et à l'âge de 8 ans, il m'a emmené en France pour que j'aie une éducation française. Il est évident que ça a été pour moi une mère, c'est extraordinaire. Mais ma mère m'a laissé partir parce que j'allais devenir un toubab. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, un blanc. Un blanc.
Mais la seule chose, c'est que j'ai été séparé de ma mère à l'âge de 2 ans. Et à 8 ans, je suis donc venu en France. Et c'est le curé du village qui m'a pris en main, qui m'a baptisé, qui m'a fait ma communion. Et j'étais son enfant de cœur principal. Voilà. Et donc, j'ai connu tout le village, car j'allais avec lui pour les mariages, les naissances, les enterrements, etc. Et c'est là où j'ai eu les premiers rapports avec les artistes. Parce que c'était, j'habitais Couilly-Pont-aux-Dames. Et à Pont-aux-Dames, il y a une maison de retraite pour les vieux comédiens. Et ma foi, quand j'allais les chercher les vieux comédiens, malheureusement, c'était pour le dernier voyage. Je les emmenais à l'église et j'assistais à l'enterrement. Voilà. Alors à Paris, vous faites des études d'ingénieur. Hein. Et puis quand Paris est occupé, ben, vous partez, vous réfugiez chez votre marraine à Montluçon. Et en avril 1944, vous êtes accusé de sabotage dans l'usine de Montluçon. Alors en fait, ce n'est pas vous qui aviez fait le sabotage, mais vous ne vouliez pas dénoncer. Non, ce n'est pas moi qui avais fait le sabotage, mais le résistant ne s'est pas dénoncé. Voilà. Et les Allemands ont pris 12 otages entre 18 et 22 ans dans l'usine de la SAGEM. Voilà. Et nous ont emmenés donc dans les camps de concentration. À Neuengamme, près de Hambourg. Vous êtes, près de Hambourg, vous il y en a eu 10 qui ont été à Buchenwald et 2 à Neuengamme, près de Hambourg. Alors, vous êtes déporté pour fait de résistance plus que pour la couleur de votre peau à ce moment-là. Certainement, mais malgré tout, quand le convoi est arrivé à Neuengamme, qu'on nous a appelés sur l'appel place pour nous compter, la première chose qu'ont fait les Allemands, ils ont crié « Nege abtreten ». Ça voulait dire « Les Noirs, détachez-vous ». Et nous étions quelques-uns, à peine une dizaine. On est donc rentré dans un bâtiment un peu plus loin et on attendait le bon vouloir des SS. Et au bout d'un moment, nous, personnellement, on croyait qu'on allait être… bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais au bout d'un moment, les SS sont revenus et puis en rigolant. Ils nous ont regardés, nègre, et puis ils prenaient, ils touchaient la peau comme ça, etc. Ils avaient peur que ça déteigne, Voilà, ils avaient peur que ça déteigne. Et au bout d'un moment, quand ils se sont bien amusés, ils sont repartis et ils nous ont dit, nègre, entreten. On est revenu donc dans les rangs pour nous compter. Exactement. Mais il y a quelque chose quand même, Serge, dans votre bouquin, souvent les Noirs qui sont déportés dans des camps de concentration, voire d'extermination, c'est plus pour des faits de résistance que parce qu'ils sont Noirs. Il y a deux catégories de Noirs. Ceux qui ont été déportés sur le sol français, par exemple, ont été déportés soit pour des faits de résistance, ou ceux que j'ai retrouvés donc au Suriname, à Hollande, ont été déportés parce qu'ils étaient communistes, exactement comme d'autres déportés. Voilà. Mais ceux qui ont été déportés en Allemagne même, parce que la déportation des Noirs a commencé dès 1933 en Allemagne même, ceux-là étaient déportés parce qu'ils subissaient les fameuses lois de Nuremberg. Et ces lois-là, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, ne visaient pas que les Juifs, mais visaient les Juifs et les Noirs. Et les Noirs avaient interdiction d'avoir des rapports avec les Ariens ou les Ariennes. Et chaque fois qu'ils dépassaient cette interdiction-là, ils étaient déportés. Et puis surtout, dès l'application de ces lois-là, ils ont tous été stérilisés. Oui. Alors, dans le camp quand vous arrivez, John Williams, c'est énorme, parce que vous surprenez effectivement vos geôliers par vos connaissances techniques. Ils sont complètement... Comment un Noir arrive à s'y connaître aussi bien ? À lire les plans industriels et à travailler au centième de millimètre. C'est bizarre pour quelqu'un de race inférieure. Voilà, exactement. Et pour ça, disons que j'ai été un petit peu favorisé parce que le climat de Hambourg est un climat très dur. Et je travaillais à la Metallwerk, donc, et j'étais dans un atelier qui était chauffé toujours à la même température. Ça m'a certainement sauvé la vie, pour le dire. Alors, un jour, comme ça, il y a un grand moment de spleen, de déprime, dans le camp où vous êtes, et puis vous commencez à chanter, ce qui remonte un peu le moral de tout le monde. Ensuite, vous êtes délivré par la Croix-Rouge, vous retournez en France, vous découvrez que votre père a été tué dans un bombardement. Et en 1948, vous retournez à Montluçon, ville de votre marraine, et là, un camarade de captivité vous dit « Tu te souviens, on chantait au camp, c'était formidable, tu avais une belle voix. » Et vous vous mettez à chanter, et vous devenez, je crois qu'on peut le dire, le Harry Belafonte français, quoi. Oui, c'est vraiment dans cette cellule qu'on a découvert ma voix. Au premier abord, je n'y croyais pas tellement, et puis un jour... à Paris, rue de Douai, près de la place Clichy, je suis rentré dans un studio où il y avait des professeurs de chant.
Et j'ai vu un professeur là et je lui ai dit, monsieur, il paraît que je chante bien. Ouais. Alors, il m'a dit, bon, faites-moi quelques vocalises. Et ma voix est sortie. Ah, vous avez une voix géniale. Maintenant, vous faites beaucoup de gospel. Hein. Vous êtes passé au gospel avec votre fille. J'ai bifurqué des musicals vers le gospel mais et les nègres spirituels. Mais avant le gospel, il y a eu ça, Didier. Le temps d'une larme, le temps d'un sourire, le temps les efface, mais toi, tu es là, et c'est moi qui regarde. Nous irons au cœur du monde, par la poudre et le canon, en comptant chaque seconde, car ce jour est le plus long. Toi aussi tu m'abandonnes, oh mon unique amour, toi, nul ne pourra plus jamais rien. L'ombre des montagnes se couche sur la plaine. Si l'homme est de la boue pour des tas de gens, il est pour moi fait de chair et de sang, de muscles de fer, d'un cœur trop bon, avec deux épaules pour charger le charbon. T'en fais 16 tonnes, ça te donne quoi? Un jour de plus et à quatre planches de bois. La paix chaque jour qui prend plus de poids. Mais qui ferait vivre la mine sans toi? Seul, quand passent les heures, une rose pleure ce temps-là. À mille temps n'est plus aux chansons. Pour partir, laisser ta maison et tout quitter, même ton nom. Compagnon, compagnon, sur le chemin que nous avons pris. Toujours là-bas, quand le vent a tourné. Un jour là-bas, mes yeux là-bas revoient toujours ce train, ce dernier train qui part vers le chagrin. John Williams, c'est génial. Merci beaucoup. Ça me fait tellement plaisir d'écouter ces chansons qui ont bercé ma jeunesse. De les écouter en vous voyant en face de moi, ça me fait plaisir. Voilà. Écoutez, il y a des moments dans cette émission où on peut aussi se faire plaisir. Je vous remercie beaucoup de c'est cet accueil et je m'en souviendrai longtemps. Nous aussi. Merci encore. Merci beaucoup. Voilà. Je rappelle le titre du livre de Serge Millet, Noir dans les Camasies. Bravo. Merci à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore. J'accueille Vaina Giocante. Pas mal. Ça te va bien? Très bien. Alors, Vaina Giocante, donc Vaina, ça veut dire bienvenue en malgache, parce que vous avez passé les premières années de votre vie en Afrique. Votre père était dans le business des pierres précieuses, des émeraudes. Et Giocante, alors ça vient du verbe giocar, qui veut dire jouer. Donc son nom, ça veut dire bienvenue dans le jeu. C'est quand même un nom prédestiné pour une actrice. Hein. Et pourtant, vous avez commencé par la danse. Vous étiez petit rat. Petit rat à Marseille, à l'académie Roland Petit.
Exact. Exact. Vous vouliez être étoile, et en fait, vous serez comédienne, parce qu'à 13 ans et demi, donc, vous avez été castée sur la plage, vous étiez en train d'acheter une barbe à papa avec votre maman. Oui. C'est vrai ? C'est vrai. Hein ? Oui, j'étais déjà gourmande. Voilà. Et vous avez été castée pour Baie des Anges. Voilà. Ensuite, il y a eu Voleur de vie avec Emmanuel Béart et Sandrine Bonner. Puis Pas de scandale, Le Libertin d'Aguillon. Qu'est-ce qui se passe ? J'aurais préféré que vous ne le citiez pas. Ah ouais, vous lui en voulez ? Non, je lui en veux pas, mais non, parce que ça fait partie de l'expérience. Ça m'a. Ça m'a beaucoup appris. Et vous n'avez pas dit que vous seriez à poil dans le film, quoi ? Voilà, c'est ça, il m'avait caché certaines choses. Ouais. Ensuite, il y a eu Vivante, un film excellent. Ça commence comme La Boum et puis ça se termine très crade quand même. Hein. Crade ? Ah ouais, ça c'est... C'était ça... crade La Boum 2 quand même. Oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, il y a un film qui s'appelle Lila Dissa de Zia Doueri, sorti le 26 janvier, qui est adapté d'un best-seller signé Chimo, publié dans 12 pays, quand même énorme. Vous voulez que je fasse le pitch, Vaïna, ou vous le faites ? Allez-y, mais sans la fin, alors. Hein. Ah ouais, ouais. Ah non, je fais pas la fin. Non. Je la dirai moi, la fin. Non. Alors, c'est l'histoire de Lila et Chimo, deux ados. Elle lui ouvre son cœur en lui promettant son corps. Et elle dit tout, et lui, il dit rien. Il pige pas, quoi. Elle est très fantasque, comme ça, et lui, il est très premier degré. Ah, vous êtes pas mal. Ça va, le pitch ? C'est très poétique. Ça va bien avec la bande-annonce qui va suivre, je suis sûre. C'est vrai ? Vous foutez de ma gueule, non ? Il vous plaît, le pitch ? Il me plaît beaucoup. Je m'attendais pas à ça, mais là, ça va. Vraiment, c'est la bonne nouvelle de la semaine, ça. Non, elle se fout de ta gueule. Elle se fout de ma gueule. Bien sûr, tu le vois pas. Je sais pas. Mais pas du tout, non. Je suis très sensible, en fait. Je vous trouve extrêmement sensible. Alors, rajoutez une couche ? Non. Ça commence... Première rencontre avec le mec, elle lui dit « Tu veux voir ma chatte ?» Et le normal. Mec lui répond, c'est moi... C'est sûr que dit par Thierry, c'est... Si je peux choisir entre ta chatte et libérer la Palestine, je choisis ta chatte. C'est quand même vachement bien. Ouais, c'est pas mal. C'est très engagé. C'est pas des Palestiniens que ça fait rigoler, hein. Non. Et alors, il y a une autre scène aussi, quand elle est sur le Solex, là, qu'elle met son clito contre la selle. Elle lui explique que c'est très agréable. C'est très agréable, je crois. C'est très agréable. Et après, elle le branle sur Solex. Non, mais c'est vrai, c'est énorme, ce film. C'est d'une... Ça donne envie de refaire du Solex, surtout. Mais non. D'abord, ça va relancer les ventes de Solex, à mon avis. Non, mais c'est très poétique en même temps, ce film. J'en parle t'en bêtement, parles mal, en fait. Mais... J'en parle très bêtement, oui, c'est vrai. Non, je trouve pas du Vous tout. Trouvez pas ? Ah non, vous êtes celui qui en parle le mieux de tous les journalistes. Wow. La seule chose que tu peux faire maintenant, c'est regarde ta caméra et dis Magnéto Serge, parce que moi, j'en peux plus, là. Magnéto Serge. Ouais. Encore. Tout le monde me le dit. Je suis comme une Ferrari tombée dans une décharge. T'as pas envie de voir ma chatte ? Tu sais que quand je me suis assise, je me suis arrangée pour bien mettre mon clito sur le siège. Chimo, t'as remarqué ma bouche comme elle est minuscule ? L'offre est pas éternelle, hein ? Tu viendras pas pleurer après que les autres l'ont vue et pas toi. Elle doit souffrir là-dedans. Tu veux pas que je la sorte ? C'est pas possible ici. Tu paries ? J'ai rêvé de toi. J'ai baisé avec 100 mecs. Ils avaient tous ton visage. Dis-moi, Chimo, je te dérange quand je te parle ? Moi, je sais jamais ce que t'attends de moi, Lila. Quand je suis seule, je pense à toi. Je me prends en pensant à toi. Putain, Chimo, tu vois pas que je t'aime ? Voilà, Lila Dissa, de Zia Doueri, sorti le 26 janvier, avec Vaïna Giocante, qui est notre invitée ce soir. Alors, quand il lui dit, mais pourquoi tu parles toujours de ça ? Elle lui dit, mais de quoi tu veux qu'on parle ? Et ça me va assez bien, je trouve. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes comme ça qui assument une part fantasque. Ouais.
Sans tabou, aucun. Ah, il n'y a pas beaucoup de tabou dans le film, non ? Mais en même temps, c'est frais, c'est pas crade, quoi. Non, c'est parce qu'il y a une certaine innocence, en fait. Il y a une certaine fraîcheur. De par leur jeune âge, en fait, c'est une espèce d'initiation, comme ça, à la sexualité, à l'érotisme, à... Est-ce que vous rejoignez personnellement les revendications de Lila sur la liberté, la féminité, la sexualité ? Oui. Oui. Et voilà. Je crois Bingo, Thierry. Je crois que l'émission peut s'arrêter en même temps. Oui, on va prendre une chambre. Oui, sur certaines choses. Disons que j'en parle moins parce que c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Donc il faut éviter d'en parler trop pour savourer un peu plus. Tu recules de 3 cases, Thierry. Alors, j'ai pas besoin d'en parler, quoi. La première fois que vous venez dans Tout le monde en parle, Vaina. Ah oui, grand moment, oui. Grand moment pour moi aussi. J'ai une grande montée d'adrénaline. J'y ai pensé toute la semaine. C'est vrai ? Alors, on va faire une interview première fois. Premier coup de foudre. Premier coup de foudre, ce soir. Ah ! Premier baiser. C'était un baiser papillon. Ah, c'est quoi un baiser papillon ? Avec les yeux ? Ouais. Ah oui, tu sais faire le baiser papillon ? Je sais faire le baiser papillon, le baiser esquimau et le baiser ventouse. Juste, c'est comment le baiser ventouse ? Vous voulez que je vous le fasse ? J'ai pas de ventouse, sur moi. Non, mais Thierry est très confiance. Client. Non, mais faites-moi confiance. D'accord, je vous fais confiance. Ne vous inquiétez pas, je... On reste un peu sur sa faim. Hein. Là, c'était sur la joue. L'intitulé faisait rêver et puis... Là c'était sur la joue, c'est pour ça. Ah d'accord, t'aurais dû essayer le papillon, à mon avis, mais bon. Alors, on continue. Premier rapport sexuel. Premier rapport sexuel, assez tard, je crois que... 14-15 ans ? Ouais. Bah, c'est tard, ouais. Ah oui, c'est super tard. Ça rassure bien les pères de famille que nous sommes. J'ai une fille qui a 15 ans et une qui a 13 ans, si tu veux, d'un coup, ça me... Ouais. Oui, parce que j'ai 3 enfants, il préfère te le dire tout de suite. Moi, je sais. Tu sais ? Premier tournage ? Marie-Bé des Anges, 14 ans. Ouais. Premier cachet ? Bah, pareil. Premier succès ? Pas encore. On va arrêter il a dit ça. Non, on va arrêter cette interview, hein, Laurent ? Oui, d'accord, Thierry. Hein ? Je ne me rends pas compte, moi, je dormais. Interview de dernière fois. S'il vous plaît. L'interview Luc Ferry. Putain. Non, rallume, Serge. Alors, comme c'est la première fois qu'on se voit, on va faire l'interview rendez-vous. Ça va, Vaina ? Ça va très bien. Vous vous sentez bien, là ? Ah oui, très très bien, vraiment. Vous voulez un peu de musique, non, ça va ? Vous voulez que je danse ? Ah, vous savez que j'ai une très belle musique. Ouais, il faut quelque chose de plus funk, plus... Ah ouais ? Bravo! Bon ben. Juliette, moi je suis marié, mais toi tu dois être dans un état, non? Moi je trouve ça dégueulasse parce que ta copine quand Luc Ferry danse, tu le coupes au montage. Je trouve pas ça sport. Et Luc a très bien dansé aussi. Il a bien dansé. Vanina, t'aimes bien toute nue? Ça dépend des contextes, ça dépend des endroits. S'il fait bien, froid, non. Là, t'as pas trop chaud, là. J'ai un peu frais, il y a la clim, en fait. Ouais, tu veux qu'on l'enlève? C'est vrai? Tu vois que tes conneries de clim. Tu vois, mes conneries de clim, les gonzesses se déshabillent pas. Ça t'a gêné dans le film de parler de sexe, comme ça, aussi crûment? Mais pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on aurait des tabous comme ça? Je pense, en fait, le vrai challenge, c'était de pas tomber dans une vulgarité. D'arriver à être... être naturel, sincère. Ouais. C'est comme les petits-enfants, ils parlent de choses dont ils ne comprennent pas, mais ils en parlent avec tellement de,
tellement de naturel que tout passe finalement. Oui, une fraîcheur, oui. Mais ça te plaît de dire des mots comme ça, excitants un peu? Non. Mais ça, c'est pareil, ça dépend des contextes, ça dépend avec qui, ça dépend où, ça dépend comment. Tu pourrais me dire un truc là maintenant comme ça? Non. Pour moi? Ah bah, pour vous et combien il y a de temps? On sort. Faut les laisser là, faut les laisser tranquilles. Non, moi, je fais semblant de rien. Parce que je suis assez curieuse, j'ai envie d'entendre quand même. Je t'ai dit que je bossais à la télé? Tu sais que je bossais à la télé. Tu sais que ici, tout est à moi, t'es au courant quand même. Oh, mais ça, je m'en fous alors. C'est pas du tout. Ah ouais, c'est pas un critère. Ah ouais. Ah bon? Tu t'aimerais avoir un Pygmalion, un mec qui. J'aimerais bien être le Pygmalion de quelqu'un. Ah bon, d'accord, oui. J'aimerais bien que cette émission dure tout le temps, moi. C'est quoi ton parfum, non, sérieux? Tu le sens d'ici? Ouais. Moi, je le sens. Tu le sens, toi aussi. Hein, ouais. C'est Noah. Ah, Noah? Ah, ouais. Ça sent bon. Fort, hein. Ouais, c'est excitant. Ça, il sait tout faire, ce garçon. Hein. Pas Yannick. Tu trouves pas qu'il est aphrodisiaque, son parfum, Guillaume? Non, sérieux. Non, c'est pas son parfum qui est aphrodisiaque, non. On t'a déjà proposé d'être la femme de la vie de quelqu'un, non, sérieux? Oui, un Maasai m'a demandé en mariage. Ah ouais? Ouais. Mais bon, fabriquer sa cabane en caca d'éléphant et tout ça, c'était pas mal. Et boire du lait mélangé avec du sang, tu sais que les Maasai. Mais j'ai déjà goûté ça. Moi, je suis une guerrière. Ah, ça t'a plu? Non, ça m'a pas plu, mais je crois que c'est important les expériences nouvelles. C'est important quand on est acteur, en tout cas, de se nourrir d'un maximum d'expériences. Voilà. Tout à fait. Quel genre d'homme tu aimes, justement, puisqu'on parle d'expérience? Quel genre d'homme? Les hommes très autonomes, très indépendants, très... Très vieux. Ils s'habillent en noir, un peu. Qui tiennent des émissions, qui ont des studios, tout ça. Tu sais que j'en ai vu pas mal des gonzesses sur le plateau, mais t'es une des mieux quand même. Là, tu veux pas rester? Invite-moi la semaine prochaine. Tu reviens la semaine prochaine? Si tu veux. Ouais. Si tu veux revenir la semaine prochaine, tu veux, même la semaine d'après, si tu veux. Ah bah si tu veux. Y a pas de problème. Est-ce que t'es du genre à dire oui facilement? Si tu me proposes un petit pétard, oui. Si tu me proposes. Ouais. Non, mais si tu. Oui, ça dépend ce que tu me proposes. Ça dépend ce que tu me proposes. D'accord. Il y a des choses en amour que t'as pas encore faites. Est-ce qu'il y a des choses dans l'amour pas beaucoup. Que t'as pas encore fait? Pas beaucoup. T'es amoureuse? Mais oui, heureusement. Oui, heureusement, à ton âge. T'es amoureuse en ce moment? Non. Enfin, non. Non, mais je veux dire en ce moment, là. En ce moment-là, oui. Bon, alors oui. Non, mais là, c'est très... C'est très personnel. Ah oui, c'est moi. Non, mais on oublierait presque qu'il y a 150 personnes autour. 150 millions de personnes. 150 millions autour. Laurent, une petite carte pour mademoiselle Vaina Giocante. Oh. Quoi? C'est quoi? C'est laquelle? Vous avez gagné un dîner avec Thierry Ardisson. Ah! Je t'en prends une autre au cas où. Bonjour, une autre. C'est toutes les mêmes. C'est extraordinaire parce que là, j'en ai gagné deux de dîner avec Ardisson. Là, j'en ai gagné un troisième. Là, j'en ai gagné un quatrième. C'est toute la semaine, quoi. C'est génial. Wow. Voilà. Il a dit tout. Gagueri, sorti le 26 janvier avec Vaina Giocante. Bon, maintenant, ça va être moins rigolo. Beaucoup moins rigolo. Je préfère vous le dire tout de suite. On reçoit... Luc Ferry. Michel Sardou. Jean-Charles Briseur. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jean-Charles Briseur, vous êtes expert international, spécialiste du terrorisme et chargé par les parents de victimes du 11 septembre de diriger l'enquête visant les réseaux de soutien à Al-Qaïda. Et vous êtes auteur, c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, avec Guillaume Dasquier de Ben Laden, La vérité interdite chez De Noël. Aujourd'hui, vous publiez chez Fayard un livre qui s'appelle Zarqawi, le nouveau visage d'Al-Qaïda. Alors Zarqawi, c'est vrai qu'on entend parler à peu près à chaque journal télévisé. C'est le méchant du moment. Hein. Il est beaucoup plus méchant pour les gens encore que Ben Laden. Et c'est vrai qu'à 10 jours des élections en Irak, il met le pays à feu et à sang. C'est la stratégie du chaos. Il appelle au boycott des élections, évidemment. Alors, vous racontez son histoire. D'abord, il n'est pas palestinien, contrairement à ce qu'avait déclaré Colin Powell au Conseil de sécurité de l'ONU en 1999. Mais il est jordanien.
Oui, tout à fait. Ça fait partie des nombreuses erreurs qui ont été affirmées à cette époque par les Américains pour justifier en quelque sorte la guerre. Ouais. Il y avait l'origine effectivement de Zarqawi, il y avait également le fait qu'il constituait en quelque sorte le chaînon manquant entre Al-Qaïda et Saddam Hussein, le régime de Saddam Hussein, ce qui n'a jamais pu être établi. Bon, je passe sur des nombreuses erreurs factuelles qui ont été commises par les Américains pour encore une fois, justifier cette guerre. Ouais. Alors, il n'est pas palestinien, il est jordanien, il est né à Zarqa, d'où son nom de Zarqawi, qui est une ville de camp palestinien où depuis 50 ans, il y a des Palestiniens qui sont entassés là-bas. Et c'est vrai que ça crée des rancœurs qui sont propices à la politisation de l'islam. Quoi. C'est un, vraiment un creuset de, oui, de l'islamisme. Oui, lui a été éduqué effectivement à proximité immédiate d'un camp de Palestiniens. Il a une enfance face à un cimetière, ce qui explique, dites-vous, une certaine fascination pour la mort. Il vit dans le cimetière, si vous voulez, concrètement. Il quitte l'école à 12 ans. C'est quelqu'un qui erre dans son cimetière. Qui a des jeux, des amusements autour de ses tombes. C'est macabre, bien sûr, mais c'est sa vie, c'est là-dedans qu'il baigne toute son enfance. C'est quelqu'un qui a une adolescence de voyou. Hein. Au départ, il boit de l'alcool, il est tatoué, il a tellement de tatouages sur le corps qu'on l'appelle l'homme vert. Il fait des vols, du trafic de drogue, il est même impliqué dans une histoire de viol. Et c'est là que, pour le remettre dans le droit chemin, sa mère l'inscrit dans une mosquée, malheureusement une mosquée salafiste très 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 dure, où il apprend le djihad en fait. Oui, là il est en contact concrètement, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans la vie d'un combattant arabe, qui va devenir un djihadiste, c'est qu'il y a une rencontre forcément à un moment ou à un autre avec quelqu'un qui devient un mentor, un père spirituel, et c'est le cas du nommé Makdizi. Ouais. Qu'il va revoir par la suite en Afghanistan et qu'il va suivre et qu'il va surtout suivre ses préceptes, c'est-à-dire finalement le djihad, la guerre totale et aujourd'hui le chaos. Voilà, donc il part en Afghanistan s'entraîner dans des camps et au retour il est arrêté, il est mis en prison. Pourquoi ? Si vous voulez, lorsqu'il revient d'Afghanistan, il n'a qu'un souci, c'est de faire chez lui, dans son pays, son djihad, c'est-à-dire de renverser concrètement la monarchie jordanienne, qu'il juge complice des Américains, etc. Et puis, ça va devenir un apprenti terroriste, en quelque sorte, un pied-nickelé, en même temps du terrorisme, parce qu'il ne réussit pratiquement rien. Ou alors, il met en œuvre des moyens qui sont surdimensionnés par rapport à l'objectif qu'il vise. Et effectivement, il est arrêté en 1994 et détenu pendant 5 années dans les geôles jordaniennes. Et c'est là qu'il va se forger cette violence d'abord, réelle, et puis cette âme de chef. C'est là qu'il devient véritablement un chef aux yeux des autres, mais grâce à la violence. Oui, parce qu'en plus, il n'hésite pas à raconter qu'il s'est battu contre les Soviétiques en Afghanistan alors qu'il est arrivé après. Enfin, il y a un mythe Zarqawi qui se construit dans la prison. Il est condamné à 15 ans de prison. Et en fait, il ne fera que quelques années parce qu'il y a une pression des intégristes sur le roi Abdallah de Jordanie. Et même, on peut dire, du peuple jordanien, quoi, de l'opinion publique jordanienne. Oui, tout à fait. Les Jordaniens, à l'époque, sont obligés de composer, malheureusement, avec les islamistes. Jordanie fait partie de ces régimes qui sont très faibles au Proche-Orient et qui sont effectivement soumis à une grosse pression de la part des islamistes, en particulier les frères musulmans. Et le nouveau roi, effectivement, cède à la pression des islamistes, comme ça a été le cas dans d'autres pays, je dirais. Il y a beaucoup de membres d'Al-Qaïda qu'on retrouve, qui ont été emprisonnés et qui ont malheureusement été libérés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la Jordanie, si vous voulez, est mal à l'aise par rapport au phénomène Zarqawi. Mmh. Alors quand Zarqawi sort de prison, il s'adosse à Al-Qaïda. Et alors lui, il a une théorie, c'est-à-dire que pour Ben Laden, les juifs et les croisés, il faut les combattre. Mais vous dites que Zarqawi, lui, c'est pire que ça. C'est-à-dire que tous ceux qui sont pas salafistes sont des ennemis. C'est-à-dire, on peut être hindouiste, on est un ennemi. Quoi. Je veux dire, lui, c'est tout le monde, tous ceux qui ne sont pas kafirs. Oui, parce que si vous voulez, il a une revanche, lui, à prendre sur sa vie, sur la vie. Ouais. Il est très complexé, désaxé même, on peut dire. Il a connu de nombreux échecs personnels, professionnels, y compris sentimentaux. Sa première femme, sa deuxième femme, on le dit, elle a 13 ans. Ouais. Ça veut dire qu'il a un problème, ce garçon. Et pour lui, effectivement, tout ce qui ne ressemble pas à un sunnite salafiste, effectivement, pur et dur, c'est quelqu'un qu'il faut combattre absolument et abattre. Voilà. Alors, en Irak aujourd'hui, il fédère un peu toutes les organisations djihadistes.
Oui, parce qu'il est celui qui encore une fois, par sa violence, incarne le plus ce combat, le mieux ce combat contre les Américains. C'est lui qui dispose du plus de moyens humains. C'est notamment lui qui fournit en kamikaze d'autres groupes irakiens qui ne s'adonnent pas à ce type de pratique. C'est lui qui fournit des moyens financiers également. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Al-Qaïda dépense 4/5 de son budget annuel, 15 millions de dollars par an, uniquement pour l'Irak. Ça veut dire qu'il y a un budget colossal pour cette résistance, entre guillemets. Et puis, effectivement, on voit de plus en plus de groupes qui sont des groupes tribaux. Hein, il y a beaucoup de groupes tribaux en Irak. Aujourd'hui, se rallier à sa cause. En particulier, de nombreux groupes conduisent des opérations désormais conjointes avec le groupe de Zarqawi. Il fédère, effectivement, et il incarne quelque chose, plus, mieux que les autres. Alors, vous écrivez un bouquin sur Zarqawi, mais vous savez quand même que pour certains groupes ultra-gauche, Zarqawi n'existe pas, que c'est une invention des Américains destinée à justifier des opérations comme celle de Fallujah. J'ai bien entendu ça, oui. J'ai rencontré sa femme, ses enfants, son frère. Il faut vous dire qu'il existe bien, il est réel. Ouais. C'est pas un fantôme. C'est pas un fantôme de Superman comme on l'a lu, effectivement. C'est pas une fiction inventée par les Américains pour justifier la guerre d'Irak. Ouais. Mais comment vous expliquez que quand on aille sur le site des 21 terroristes les plus recherchés du monde, www.fbi.gov, Most Wanted Terrorists, il n'y soit pas? Et parce que si vous voulez, en Irak, j'ai bien conscience de cela. D'ailleurs, je relève dans mon livre que Interpol, au mois de novembre 2004, c'est-à-dire très récemment, n'avait toujours pas émis de mandat d'arrêt international contre lui. En réalité, il est recherché en Irak, Zarqawi. Il n'est pas considéré à cette époque, jusqu'à très récemment, comme un terroriste international. Je pense qu'il le sera très prochainement, après l'adoubement qu'il a reçu d'Osama Ben Laden il y a très peu de temps. Je crois qu'il a acquis une stature qui désormais le place au même rang quasiment qu'Osama Ben Laden. Pour vous, c'est l'ennemi public numéro un aujourd'hui ? C'est l'homme le plus dangereux du monde, très clairement. Aujourd'hui ? Oui, parce que c'est celui qui a repris en quelque sorte, dans les faits en tout cas aujourd'hui, le flambeau du djihad. Ouais. Et il est soutenu, il faut le savoir, non seulement à l'intérieur de l'Irak, mais également dans des pays arabes, des pays du Golfe, des ONG le soutiennent, le financent, des groupes terroristes qui n'ont strictement rien à voir avec l'Irak. Il y a moins d'une semaine, le GSPC algérien, les islamistes tchétchènes ont déclaré soutenir Zarqawi et appeler de leurs vœux leurs propres combattants à se rendre en Irak. Ça veut bien dire qu'il fédère, ça veut bien dire qu'il a pris l'ascendant aujourd'hui sur ses combattants. Question sur Zarqawi ? J'ai peur des questions que je vais poser. non mais quels sont ses projets, toi ? Et rien que dans la question, déjà je flippe. Madrid, il est impliqué indirectement, hein ? Oui, voilà, c'est un de ses adjoints qui, effectivement, est en contact avec les centrales nucléaires, de l'histoire de bombes nucléaires. Non, mais c'est vrai qu'il y a une chose qu'il faut dire, quand même, c'est qu'en France, on perçoit souvent ce conflit comme très lointain. En réalité, il est beaucoup plus proche de nous qu'on ne le croit. Des gens qui ont été arrêtés en France, un réseau terroriste, Menad Benchelali en particulier à Lyon, ce sont des gens qui sont entraînés en Géorgie, dans des camps d'entraînement contrôlés par Zarqawi et qui voulaient commettre en France des attentats chimiques. Et puis un certain nombre de groupes irakiens, c'est très très récent, quelques jours, on fait des déclarations, c'est les gens qui sont proches de Zarqawi, on fait des déclarations en disant voilà, bon, aujourd'hui on a mené le combat contre les Américains en Irak, on a obtenu quelques succès, il est temps maintenant d'exporter ce conflit au cœur même de l'Occident. Ouais. Ça veut bien dire que le danger qu'on croit lointain, que la France croit lointain, est en réalité beaucoup plus proche de nous. Vous pensez sérieusement, parce que c'est votre boulot, vous pensez, Jean-Charles, que nous, on ne se rend pas du tout compte de ce qui nous menace aujourd'hui. Là, on est un peu comme les, je sais pas, les Français en 1939, par exemple, avant là. C'est pas ce que je dis, mais je constate qu'effectivement, la France, dans ce domaine-là, a une politique qui est extrêmement ambiguë. Je veux dire, par là, quand on travaille sur le terrorisme quotidiennement, comme je le fais, on se rend bien compte que ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de lutter contre les groupes terroristes qu'on peut identifier et qui sont facilement identifiables, d'ailleurs. L'essentiel, c'est, je crois, de lutter contre ce qui sous-tend ces groupes terroristes, c'est-à-dire la religion qui la sous-tend. Parce que ces groupes, vous savez, Al-Qaïda, et on cite dans notre livre des documents historiques d'Al-Qaïda, des verbatims du jour de la constitution d'Al-Qaïda, Ben Laden dit « Al-Qaïda est là pour perpétuer l'esprit du djihad ». C'est-à-dire, concrètement, sans le djihad, ces groupes n'existent pas. Il faut lutter, je crois, non seulement contre les groupes terroristes, mais également contre une idéologie radicale, le salafisme pur et dur, effectivement. Vous dites qu'au moment de la discussion pour la libération de Cheneau et Malbruno, les Français ont dit des trucs absolument insensés, que même si on veut libérer deux otages, enfin c'est ce qui ressort de votre bouquin, on ne peut pas dire des choses comme ça. Si vous voulez, à ma connaissance, en tout cas, la doctrine jusqu'à présent, ce n'était pas qu'on pouvait discuter avec des terroristes. Ouais. On est d'accord. Ouais.
Alors que, qu'est-ce qu'on a vu concrètement? Monsieur Barnier allait serrer la main, par exemple, à un religieux qui s'appelle Youssef Al-Qaradawi, voilà. que lui-même a qualifié de plus grande conscience de l'islam. Youssef Al-Qaradawi, c'est lui qui a justifié les attentats du 11 septembre. C'est lui qui, aujourd'hui, lance des fatwas pour autoriser, en Irak, à tuer non seulement des militaires, mais également des civils, alors sans les mutiler, il précise. Parce que c'est vrai, la mutilation, bon, c'est... Oui. Vous dites que quand, vous dites que voilà, que même pour libérer deux otages, Barnier ne peut pas dire de ce gars-là que c'est une grande conscience de l'islam. Vous trouvez que finalement semble, les... Il me semble. Oui. Lorsque le CFCM, je le raconte dans le livre aussi, lorsque le CFCM, le Conseil français du culte musulman, se rend en délégation à Bagdad, au même moment, le chef religieux du CFCM signe en catimini, en quelque sorte, dans la presse arabe, publiée à Londres, un texte appelant à soutenir par tous les moyens, moraux et matériels, l'honorable résistance irakienne. Oui. Vous voyez, il y a un double discours, là, je sens. Vous voyez, c'est politiquement, on est au cœur du problème. La raison pour laquelle je dis que la France est en quelque sorte piégée par ces islamistes. Pour en finir, vous pensez que l'attitude de Bush est mieux que l'attitude du gouvernement français? Pas du tout. Bush est soumis également à d'autres pressions, d'autres formes de pressions dans la guerre contre le terrorisme. On l'a bien vu, je l'ai souligné dans mon précédent ouvrage. Pression politique, pression économique à l'égard notamment de l'Arabie Saoudite, un certain nombre de pays qui ont pu soutenir financièrement ou moralement ou idéologiquement Al-Qaïda. Donc les mêmes problèmes se posent aux États-Unis. Tout à fait. Juliette, une chanson. Une question pour Jean-Charles. Une chanson, ouais. C'est-à-dire que, en fait, moi j'ai un côté très, je suis très rêveuse et je me dis que le terrorisme est sans doute le symptôme d'une maladie qu'il faudrait peut-être envisager de soigner. C'est-à-dire que s'il n'y avait aucune raison que ces gens soient terroristes, peut-être qu'il n'y aurait plus de terrorisme. Si on arrête Zarqawi et Oussama Ben Laden, il y en aura d'autres pour prendre la relève. T'as cassé l'influence là, Jean-Charles. Je suis désolé, écoutez, je vais partir, j'ai que ça à faire. Merci Jean-Charles. J'accueille Yann Verling. Et voilà. Bonsoir. Bonsoir. Salut, ça va? Tu sais qui c'est, Laurent? Oui, le nouveau patron des Verts. Bravo! Le nouveau secrétaire des Verts, absolument. Voilà. Vous êtes obligé de vous laisser pousser la moustache ou c'est négocié d'avance, non? Ça se voit un peu, là. Oui, ouais. Les journées sont longues. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Alors, 33 ans, fils de libraire, illustrateur, disciple de Tommy Ungerer, maître, s'il en est, dans ce genre, spécialiste du chou farci aux pigeonneaux. C'est pas pour ça qu'ils vous ont élu, quand même. Non, ils le savaient pas au moment où ils m'ont élu. D'accord. Sérieusement, Yann, pourquoi ils vous ont choisi? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut bien élire quelqu'un, que chez les Verts, c'est pas toujours facile. Hein, ça, tout le monde le sait. Ouais. Et qu'à un moment donné, ma candidature a été jugée consensuelle, acceptable. Mmh. Et bon, le fait est que j'étais pas tout à fait le plus connu des Verts, hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, j'étais connu des Verts, hein, et ça, c'était l'essentiel. Non, sérieusement. Vous avez dit vous-même que vous avez été choisi parce que vous êtes le plus petit dénominateur commun du parti. Les Verts sont ce qu'ils sont et à un moment donné, des discussions compliquées aboutissent forcément à des compromis. Ouais. Et il y a des courants chez les Verts, des courants qui sont plus ou moins opposés et qui, à un moment donné, ont décidé de faire une trêve, de faire la paix et de se rassembler derrière mon nom. Voilà. Tout simplement. Mais c'est vrai que les réactions ont été assez unanimes, à part Guy Asquet qui a dit que vous étiez le dénominateur le plus faible. C'est pas très sympa. Et François Hollande, le patron du PS, qui a dit... C'est bien que les Verts se soient dotés d'une direction. C'est pas mal. C'est pas le dernier pour la déconne. Il se démerde, Hollande, si tu regardes bien. Alors, votre premier chantier, c'est quoi, le référendum sur la Constitution européenne? Tout à fait. On a lancé le débat chez nous. C'est pas forcément facile. Quand on lance le débat chez les Verts, tu sais comment ça commence, tu sais pas comment ça finit. C'est la baston, hein, après. Si, on a une date butoir, c'est le 13 février. Les militants votent le 13 février. Ça, c'est bien. Voilà. Et puis ensuite, on partira en campagne sur la base de ce qu'on aura décidé ensemble. Pour le référendum national. Quand même la Constitution européenne? Personnellement, oui. Bon. Mais les Verts ne le sont pas tous. Et il faut qu'on tranche. C'est terrible, ce parti-là. Parce que déjà, vous mettre d'accord entre vous, c'est... Il est vivant, ce parti.
Il est vivant. Oui. Ah, il est très vivant, ça c'est sûr. Oui. Et le deuxième chantier, c'est quoi? Les relations avec le PS? Ça, c'est autre chose encore. Oui, c'est autre chose, et en même temps, on connaît. Hein, ouais. C'est bon, c'est pas une nouveauté ni pour cette direction, ni pour aucun des membres de cette nouvelle direction. Donc, je l'ai déjà dit, on part sur une base qui est la même que celle qu'on avait avant. On ne change rien. On discutera avec le Parti Socialiste pour ce qui s'offre à nous devant nous, c'est-à-dire les échéances de 2007, les élections législatives. Et puis, on va construire un projet. Puis voilà. Et on verra si ça marche. C'est pas sûr, mais... on verra. Ça se passe comment avec Vouané? Bien? Très bien. Avec ma mère? Aussi. Bien. On va faire une interview sur la tête de ma mère. Alors attention, Yann. Est-ce que vous pouvez jurer sur la tête de ma mère que vous n'avez pas manigancé pendant des mois pour être élu? Je ne peux pas le jurer. Ah. Il a ourdi. Est-ce que vous pouvez jurer que vous n'avez pas truqué les élections? Ah, ça, je peux le jurer. Est-ce que vous pouvez jurer que vous aimez tout le monde chez les Verts? Sur la tête de ma mère? Non, je ne peux pas le jurer. Est-ce que vous pouvez jurer sur la tête de ma mère que les Verts vont enfin être unis? Je voudrais le jurer. Ouais. Est-ce que vous pouvez jurer que les Verts vont enfin servir à quelque chose? Oh oui, je le jure. Vous le jurez. Est-ce que vous pourrez jurer que vous n'avez rien à voir, mais rien du tout, avec Antoine Wächter? Non. Je ne peux pas le jurer. D'accord. Mais il est honnête, tu me diras, parce qu'un homme politique normal aurait juré à chaque fois. En fait. Est-ce que vous pourrez jurer que Dominique Voynet n'a jamais eu de relations sexuelles avec José Bové? Non, je ne peux pas le jurer. Est-ce que vous pouvez jurer que vous avez des idées pour diriger le pays? Oui, je peux le jurer. Est-ce que vous pouvez jurer que vous n'allez pas interdire les gilets de laine au Congrès des Verts? Les gilets de laine? Oui. Non, je ne peux pas les interdire. Non. Est-ce que vous pouvez jurer que désormais, vous allez vous déplacer uniquement en vélo? Je le fais déjà. Ah! Il est bien, tu vois, il se déplace en vélo. Est-ce que vous pouvez jurer que vous n'avez pas d'amis de droite? Oui, je peux le jurer. J'ai dû chercher un peu, mais, mais je peux le jurer. Vous n'avez pas? Non. On vous aurait présenté Luc Ferry si vous étiez venu un peu plus tôt. Hein. Ah, si, j'en ai un, pardon, j'en ai un. Ah, vous en avez un? J'en ai un. Il est honnête, dis donc, c'est dingue. Il débarque dans le métier, ça va pas durer. Il va pas, aller loin, lui. Et on se connaissait avant qu'il soit de droite, donc voilà. Est-ce que vous pourrez jurer que vous n'avez jamais reçu d'avantage en nature? Gala. Je crois pas, non. Tu peux le jurer? Oui, je peux le jurer. Est-ce que vous pouvez jurer que vous n'avez jamais fumé de shit? Ah oui, je fume pas. Je suis pas un verre modèle pour ça. Non, c'est pas un vrai verre. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Jamais de shit? Non. C'est marrant. Un écolo qui aime pas l'herbe, il shit. C'est marrant, ça, quand même. Est-ce que vous pouvez jurer que vous n'avez jamais occupé un emploi fictif? À part celui-là, tu veux dire? Oh là. Faut vous habituer, hein. Est-ce que vous pouvez jurer que vous n'avez jamais jeté une bouteille en plastique n'importe où? Ah oui, non, ça, jamais. Ça... Jamais? Ah non, 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 non. Ah non, je suis alsacien, hein. En Alsace, on jette pas les choses par terre. Hein. Voilà, ne serait-ce que parce qu'il est alsacien. Merci. Voilà, Yann Berling, le nouveau secrétaire national des Verts, mesdames et messieurs. Bien sympathique. Et maintenant, j'accueille les L5. Excusez-moi. On va essayer une autre musique. Bonsoir les filles. On va essayer. C'est pas de votre tout. On va essayer une autre musique. Vous voulez? Allez. Et puis l'ordre n'était pas bon. Hein. Si l'ordre était bon. C'est pas l'ordre. Non, l'ordre. Non, c'est chiant. Faites-le bien. Sinon on annule. On s'en branle, nous. Bon, on refait sur la musique de 2003. Et on a l'air surpris quand elles arrivent. D'accord. Ok. C'est pas l'ordre. On essaye. C'est pas ça l'ordre. Je suis désolé, on recommence. Mais c'est pas de ta faute. Mais c'est moi. Non, c'est pas ça me plaît. Voilà, je pensais que la musique 2003 était bien. Ben c'est une connerie, on va essayer la musique, on va en essayer une autre. Excusez-moi. C'est quoi cette remplaçante? 2004. Allez pour voir. Bah oui, je suis désolé, on ne savait pas quelle était la meilleure musique pour vous. On essaye la musique 2004 maintenant. Attention, tout le monde en place. Attention, Didier, tu es prêt? Voilà. Oui.
voix. Elle vous plaît ? C'est pas bon, Thierry. Non, parce que ce qu'on va faire... Non, ce que je vous propose... Non, mais attends, je vais te dire, non, sérieux. On essaye la musique 2002. Stop. Mais non, mais... Mais attends, et on garde la meilleure... Comment tu parles ? C'est le patron, toi. On garde la meilleure. Ah, ben non. C'est bien, ça. Parlons un peu avec les 5. On essaye 2002, on s'en fout. On essaye. On essaye. La dernière fois. Et puis on gardera... On essaye, la dernière. On essaye la musique 2002, et puis au montage, on prendra la meilleure. Au fond. Voilà, c'est comme ça, c'est ça la télévision. La télévision d'aujourd'hui, c'est ça. Attention, la musique 2002, j'espère que ça va marcher. Sinon, on sera obligé de prendre la musique 2001, hélas. Bon, alors attention, tout le monde est prêt. Les L5! Bah oui, bah oui. Écoute, excuse-moi, la 2002, c'est quand même celle qui nous va mieux vraiment, quoi, je veux dire. Guillaume, tu trouves pas? Oui, un extrait de Les Zep. Ouais. Bonjour. Heureusement qu'on compte pas sur toi pour décorer. Hein, pour refaire l'entrée de notre série. On leur fait, c'est bon. Hein. Bon, alors les L5, voilà. Bonsoir. Premier album, 1 500 000 exemplaires. Vous êtes riches, les filles, non? Non, ça va. C'était ça. Ça c'est ta cam, hein. Ah oui, oh. Ça Juliette, je peux te dire. Et bah Ina, comment elle danse quand on entend ça, hein. Ça, ça a cartonné à mort, vous avez fait plein de blé. Ensuite, il y a eu le deuxième album, l'album live, et aujourd'hui, le troisième album studio qui s'appelle Turbulence, voilà. Alors, c'est un patchwork musical qui va de la pop au R&B en passant par l'électro. Voilà. C'est ça. Merci. Au revoir. Allez, non, mais au revoir. C'est bien, pas. Non, mais c'est vrai, c'est ça ou pas? C'est ça. Ouais. Je suis pas mal, tu vois. Ouais. C'est parfait. Laquelle je vais choisir? Bien. Alors, le premier single s'appelle... Déconnecté. Bravo. Si le monde est ainsi, laissez-moi, miens-moi, celui que j'ai choisi. J'ai juste envie parfois de me déconnecter. Si le monde est ainsi, non, je ne suis pas de cette planète-là. Ne me cherchez pas si, j'ai juste envie parfois de me déconnecter. Et elles sont déconnectées. Alors maintenant, depuis le temps que vous êtes dans le métier maintenant, depuis 2001, vous connaissez Orlando? Oui. Qu'est-ce qu'il veut, Orlando? Le clip. Voilà, il veut le clip, Orlando. Mais d'abord, il faut refaire l'entrée. Non. Alors là, vous allez vous concentrer, parce que comme vous êtes 5, ça va être compliqué. Vous allez regarder... Votre caméra. C'est la caméra du gars. Voilà. D'accord. Et vous allez dire... Magnéto, oui, mais il faut que vous soyez 5 en même temps. Oh un seul cerveau pour ça. Essayez de vous concentrer. 3, 2, 3, 4... Magnéto, Serge. Waouh. Si le monde est ainsi, laissez-moi le mien à moi. Celui que j'ai choisi, j'ai juste envie parfois de me déconnecter. Si le monde est ainsi, non, je ne suis pas de cette planète-là. Ne me cherchez pas si... Juste envie parfois de me déconnecter. Si le monde est ainsi, laissez-moi, bien à moi, celui que j'ai choisi. J'ai juste envie parfois de me déconnecter. Si le monde est ainsi, non, je ne suis pas de cette planète-là. Ne me cherchez pas si, j'ai juste envie parfois de me déconnecter. Voilà les L5 déconnectés, extrait de leur nouvel album qui s'appelle Turbulence. Voilà. Et en plus, il y a une bande dessinée qui s'appelle Histoire d'elle, ou voilà, donc maintenant c'est la gloire, non? C'est qui, Coralie? C'est moi. Et Dubosc, alors, comment il va? Ben, je pense qu'il va bien. Ouais. Tu le vois toujours? Je l'ai vu, je suis allée à son spectacle il n'y a pas très longtemps. Ouais. Voilà.
C'est tout. Bah oui. Ça s'arrête là. Ah d'accord, oui, bah oui, ça s'arrête là, oui. Bah, oui, en fait. C'est discrète, t'as raison. Désolée, je vais décevoir tout le monde, mais je n'ai pas couché avec Franck Dubosc. Ah bon? Ouais. Non, il est drôle, mais après, ceci dit, dans la vie, je sais pas si c'est un bon coup ou pas. Sexuellement, hein, tu sais pas? Bah non. Ouais. J'ai pas trop envie de savoir non plus, les cheveux un peu grisonnants, c'est pas mon truc. Ah, bravo. Ouais. Au revoir. C'est réussi. C'est réussi. Oui, je sais. C'est pas ce qu'il fallait dire. Non, là, c'est que les temples. Là, c'est que les temples. Là, ah, ah, quel limite, gentil. Là. Alors, on va faire une interview. Qui dit mieux? Coralie, à quel âge avez-vous couché avec un garçon pour la première fois? Pour la première la fois. Pour la première fois, la vérité? Oui, la vérité. Ou... Bah oui, la vérité. On dit la vérité ici. J'avais 14 ans. Qui dit mieux? Qui dit voilà, moins je... Mais qui dit moins? 9 ans. Quelqu'un de toi? Non, un prêtre, comme tout le monde. Ah, c'est... ah je comprends pourquoi. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Non, pas mieux. Hein. Pas mieux. Non. Pas mieux. Pas mieux. Bon, tu vois, t'as gagné sur ce coup-là. Lydie, avec combien d'hommes avez-vous fait l'amour en même temps? Combien d'hommes en même temps? Attends, elle compte. C'est facile à compter, hein. Non, non, pas pour Lydie. Je te dis alors, Non, mais à 15 près, on s'en fout, bien sûr. Ça a l'air très long. Non, il y avait du monde, hein. Waouh. Avec combien d'hommes en même temps? Non, j'ai peur de pas... Ah, c'était chez VDM. Non, même pas. Non? Non. Hein, c'est tout? Ouais. Qui dit mieux? Attends, non, trois tombes de réflexion pour dire un? Ouais. Non, parce que je réfléchis, on sait jamais. Ouais. Oui, le temps mieux. Qui dit mieux? Pour mieux. Pas mieux. Pas mieux. Pas mieux. Personne. Oh, les menteux. Non, oh, les menteuses. Magnéto Serge. Alors là, Claire. Je viens d'avoir. Claire. Claire, attention. Claire, combien faites-vous de tours de poitrine? 85 C. Qui dit mieux? Là. Elle est dans les L5, Juliette? Non, mais... Et voici les L6. Avec Sandra. Thierry, c'est les L6 maintenant, voilà. Car elle va rejoindre le groupe. Je rejoins le groupe avec plaisir. Ah, ça serait bien, oui. Ah oui, bien sûr. Ça s'attirait bien. Marjorie, combien avez-vous eu d'hommes dans votre vie? Pas beaucoup. Je crois 5 ou 6, ouais. Ouais. Qui dit mieux? Ma voix normale. Ah 483. Combien? Je sais pas, je peux... Beaucoup pas plus. Ouais. Ouais. Beaucoup plus. Ouais. Bah ouais. Et toi? Beaucoup moins qu'elle. T'es chier, on avait dit qu'on dirait pareil. Non mais c'est intéressant comme interview, tu vois. Ouais, c'est vachement bien. Ouais, c'est il y a des gens qui jouent au loto chez eux. Ils cochent tout. Ils font des grilles. Lydie. Combien de demandes en mariage as-tu déjà reçues? Une. Qui dit mieux? Combien? Je sais pas, pas mal, mais ça c'est l'effet L5. Oh, regarde-la. Comment elle se la pète? C'est mignon, c'est mignon. Là, elles sont d'accord. Tu crois, quand c'est les tous, il n'y en a aucune, mais quand c'est les demandes en mariage... Quand c'est officiel, là, il y a des mondes. Hein. Quand c'est par derrière, il n'y a plus personne. Non, ça. Ouais. T'as raison, Laurent. Marjorie. Ouais. Combien de seins avez-vous? Deux. Qui dit mieux? Très belle question, bravo. Pas plus, pas plus. Adamo dit mieux. Pas plus. Bravo, Kader. Coralie. Oui, toujours moi. À quel âge avez-vous pris de la drogue pour la première fois? J'ai jamais pris de drogue. Qui dit mieux? Regarde. Un pétard de temps en temps. Regarde. Ah, j'ai jamais pris de drogue. J'ai jamais pris de drogue. Ça en fait pas. Non, mais je vais oh, dire, mais qu'est-ce voilà. Que tu connais à la drogue, toi? En même temps. Pas ah, droguée, Coralie, façon, ouais, tapotage. Pas combien de fois avez-vous fait l'amour avec un inconnu? Avec un inconnu? Bon, à partir du moment où déjà je lui dis bonjour, je le connais. Donc... Bonne réponse. Pas farouche. Hein. Oui. Pas mal pas de fois. Farouche, je lui dis bonjour, c'est plus un inconnu. En même bah oui, il y a un premier échange. Hein. Combien de fois, alors, combien de fois? Beaucoup de fois. Qui dit mieux? Pas mieux. Pas mieux, non, franchement, pas mieux. C'est la cochonne du groupe, c'est incontestable. Ah, mais je sais. Depuis la dernière fois, déjà. Alexandra, combien de fois vous êtes-vous fait refaire les seins? Zéro. Qui dit mieux? C'est même bien. Toi? Une fois? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que j'avais envie.
Fais voir. T'as pas eu de problème? Ouais, c'est vrai, ils sont bien. Alexandra. Oui. Combien de fois êtes-vous tombée amoureuse? À chaque fois. Non, à chaque fois, non, mais... trois fois. Qui dit mieux? Quelle question? Combien? Je crois qu'à chaque fois. Ouais. Ah. À chaque fois, c'est ouais. ça que j'aime mais bien bon, chez toi. Mais bon, j'ai pas eu beaucoup de partenaires, donc finalement, ça reste assez... Ouais, mais ce que j'aime bien chez toi, c'est ça. C'est que tu je te lances... Je t'aime maintenant, je t'aime. Tu es sincère, tu te lances comme ça, là. Tu vois, d'un coup, tu te donnes complètement. Ah, et oui, ça, oui. C'est ça que j'aime. Et toi? Plein de fois. Plein de fois. Tu crois que je vais compter, moi? Tu crois que je comptais, moi? On passe au blind test. J'accueille DJ Posca. Vous connaissez le principe, je veux l'interprète. Juste l'interprète. Ou le nom du groupe, c'est voilà. Ou l'interprète. Ou l'interprète. Voilà. C'est mais pas le titre de la chanson, voilà. Tu es prêt? Allons-y. Bravo! Ça fait un point pour l'équipe de Vaina et zéro point pour les L5, puisque cette compétition, Méline, c'est les L5, tu l'as bien noté, contre le reste du monde. Bravo Méline, exactement. Et donc pour le moment, c'est le reste du monde qui marque un point à toi, DJ Posca. Là, je crois qu'on a besoin d'un petit replay, Serge, parce que c'est entre Vaina et Vaina. Pardon ? Serge ? Oui, ils ont dit les Jackson. C'est Vaina ou les L5 ? Yes! Ouais, ouais. Je suis pour! Ouais, moi pareil, je cautionne. Je suis pour. Serge? On doit discuter. Ouais. Bon, Catherine Barma, il a dit. Allez, va. Elle t'aime pas, Vanina. Catherine, hein? C'est pas grave. Elle est jalouse, là. Ça arrive, elle est pas grave. Très jalouse, me dit Catherine dans l'oreillette. Non, d'accord. Non, non, Méline. Non, Méline, c'est les L5, c'est. Voilà. Non, non. Alors, c'était Vanina qui avait répondu, mais bon. Serge, c'est qui? Moi, je dis Vaina. Okay. C'est un cas de conscience terrible. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Non, moi, je l'ai entendu et elle a dit en premier. Non, non, mais... ouais. Bon, je propose un demi-point. Non. Ah ben si. Un demi-point, si. Non, il faut leur donner. Ah si. Ah, non, regardons le replay à nouveau, tu verras que c'est très clair, Thierry. Regarde. Concentre-toi et regarde-le. Ah, c'est très clair, ouais. Replay, Serge. Qui marque un point à toi, DJ Posca. Bah non, Vaina dit c'est pas moi, ce qui te prouve, Catherine, qu'elle est vachement honnête, excuse-moi de te le dire. Je suis pure. Tu vois, elle est pure, elle dit c'est pas moi, tu vois. C'est cool. Tu en connais beaucoup, Catherine, qui aurait fait ça. Oui, elle dit. D'accord, ok. DJ Posca, number 3. Pas parler. Ouais. Oh non, c'est Vaina. Oh non, c'est Vaina. Oh, c'est Vaina. Petit replay. Petit replay, quand même. Elle a des dons divinatoires,
moi je dis. Hein. Ouais. Parce que là, non, c'est quoi. Quoi. Non, tu conneries, Catherine. J'ai pas fini les réponses. Catherine Barba me soupçonne d'avoir donné les réponses. Magnéto. Attention, donc pour le moment, ça fait 2 pour le reste du monde et 1 pour les L5. On continue. DJ Posca. Ils vont croire que je t'ai donné les réponses. Moi, j'ai un très bon iPod. Ouais. Ah oui, mais arrête de répondre parce qu'ils vont croire que je t'ai donné les réponses. Ça va faire un drame encore. Oui, mais attention. On est des trucs, quoi. DJ Posca. Oui, elle a dit Justin Timberlake, je suis désolé, bah oui. Elle a dit aussi là. Elle est grave, non, non, mais elle est grave, elle est bonne. Ouais, 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 ouais. T'es d'accord? Elle l'a dit avant, non? Tu l'as dit avant? Non, 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 ils l'ont pas dit avant. Ouais, ouais, ouais. Ça t'énerve, moi aussi. Tu l'as dit avant, non? Non. Je sais pas, mais en même temps, au moins. Bon, 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 bon. Allez, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on pense? On continue? Allez, DJ Posca. T'as droit! Ça fait... Non, tu as mis Vaïna. Ah, tu ne mets plus le reste du monde, tu mets Vaïna. Ah, c'est Vaïna contre les L5. D'accord, Méline. Okay. Voilà, tu as vu la responsabilité que tu as maintenant, là, parce que là, c'est plus de la rigolade. Attention, DJ Posca. Quatre points pour Vaïna et 3 points pour le reste du monde. Pour le reste du monde, même le dîner, alors si en plus je suis en rivalité. En rivalité sur beaucoup Juliette de trucs va prendre le relais maintenant, laisse tomber. Attention, DJ Posca. Ah là ça, Méline. Là ça remonte pour les L5 là. On est à égalité, ouais. Laurent. Quoi? Tu vas voir. Ouais. Tu vas voir, l'arme de précision, tu vas voir. Je me réveille et on y va. Non, mais il y a que les zips. L'arme de destruction massive. Là, Laurent, tu as l'ADM avec toi. Et à mon avis, tu vas gagner. Bon, DJ Posca, attention. Depardieu. Guillaume Depardieu, bravo. Ça m'emmerde de l'arrêter, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il faut que l'émission se termine à un moment. Attention, on continue, c'est le dernier morceau du par équipe, DJ Posca. Instant triplé, là j'avoue que... On regarde. Elle a pas dit foutu. Extraordinaire.
Elle a dit, elle a pas dit Fujis, elle a dit Refugees, elle a dit Refugees, elle a dit. Qui, Catherine, je t'en prie, ne sois pas. Catherine, ne sois pas si passionnée. Catherine, ne sois pas si passionnée. Tu es une arbitre, Catherine. Dis-moi, qui a répondu ? Le vrai nom. Hein. Oui, alors ? C'est moi. Pas Serge. Moi, quoi qu'il arrive, c'est Maïna. On ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer. Bon, Catherine Barma, ce ne sera jamais Vaïna, j'ai compris. Serge, c'est qui ? Ils sont en train de s'engueuler en régie, là. On n'est pas d'accord. Qu'est-ce que tu as dit ce soir ? C'est exceptionnel. On n'est pas d'accord. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On passe tout de suite au chacun pour sa gueule et ce sera Maïda. On en parlera plus. Maintenant, on va passer au chacun pour sa gueule. Là, il n'y a plus de copains, il n'y a plus d'L5, il n'y a plus de copines, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien. Là, c'est tout le monde pour soi, hein, Juliette. Là, il n'y a plus de copains. Là. Attention. Elle va te scotcher, tu vois. Donc on passe au banco pour commencer. DJ Post. Eurythmics. Non, mais c'est pas la vraie version d'Eurythmics. Oui, ça y est, je l'ai dit tout à l'heure. Claire, voilà, Claire. Claire marque le premier point, bravo. Tout le monde aurait dit Eurythmics, sauf toi. Voilà, tu as dit Pink avec featuring Redman, voilà. On passe au super banco et ça, j'adore. Alors là, ça, tu vas voir, j'adore cette chanson. Attention, DJ Posca. Hola, hola. Ouais. Mon son est très élégant, un ex-délinquant sur mon corps, très élégant. Reposons mon dame-son, posons la graine, frontière le son. J'ai la et la manière, faire pisser le son. J'ai à faire doucement, tout dans la lourdeur. En débardeur, mesdemoiselles, veuillez calmer vos ardeurs. Rafraîchis les endettés, les détenus attendent ma venue. J'adore cette chanson. Dans le fond de la boîte, j'ai entendu le son qui tue. Bravo. J'adore cette chanson, bravo. Donc là c'est Lydie, après Claire. Vaïna, qu'est-ce que tu fais ma chérie ? Ah, ben là c'est voilà, on arrive. Alors là c'est l'ultra banco, c'est le dernier là, attention. Hein. Ouais, là c'est le dernier. Et Juliette, c'est maintenant. Hein. Ah oui, ouais. C'est mon heure là, c'est mon heure en plus. Hein. Ah ouais. Bon, attention, tout le monde est prêt, on se concentre. Là, c'est pas de la rigolade, c'est le dernier morceau. Attention, tout le monde se concentre. DJ Posca. Je sais qui parle. Ouais. Non. Non, Pharrell. Featuring Pharrell. Ah, c'est Lionel Pop. Non, non, c'est featuring Pharrell. Timberlake. C'est Justin Timberlake. Ouais. Snoop Doggy Dogg featuring Pharrell. C'est pas assez varié, les morceaux. Non, je trouve, ouais. Je suis pas d'accord, je protège. Je le crois pas, c'est pas assez varié. Mauvaise perdante. Voilà, ouais. On se calme. On va faire tout Luc Ferry. Non, on fait ça, attendez. Chut, on en fait. Un titre en français. Voilà, on fait le super. Attendez. Luc Ferry. Non, le super banco de la mort. Vous allez me dire qui c'est, attention. Toi, tu réponds pas, Laurent, tu le sais, hein. Exactement. Bon ben les filles, à bientôt à la maison. Hein. Un mec qui suit l'émission, ouais, tu vois. C'était Tout le monde en parle. Avec Laurent Baffy, Claudia Cardinal, Mes étoiles chez Michel Lafon et 12 oiseaux de jeunesse au Théâtre de la Madeleine à partir du 8 février. Luc Ferry, comment peut-on être ministre ? C'est édité chez Plomb. Ariel Dombal, Quand je serai star de Patrick Mimouni et son album À mort, à mort, en tournée dans toute la France au Bataclan du 25
au 29 janvier et à l'Olympia le 20 mai. Ariel Dombal, à l'Olympia le 20 mai. Cynthia Sardou, appelez-moi Lilou, aux éditions du Rocher. Juliette, l'album Mutatis Mutandis, en tournée à partir du 24 mars. Et le 11 mai au Grand Rex. Le 11 mai au Grand Rex. Guillaume Depardieu, merci. Et sur l'album de Juliette, Serge Billet, Noir dans les cas nazis. C'est édité au Serpent à plumes. John Williams, album Je chante pour vous, mes plus grands succès. John Williams. Vaina Giocante, Lila Dissa de Zia Dueri, sorti le 26 janvier. Jean-Charles Brizard, Zarqawi, le nouveau visage d'Al-Qaïda. C'est pour José, c'est chez Fayard. Yann Berling, merci d'avoir été avec nous, bienvenue. Moi, je trouve très bien. Les L5, l'album s'appelle Turbulence et la bande dessinée Déconnectée, absolument. Et la bande dessinée s'appelle Histoire d'elle, voilà. Et le blind test, DJ Posca. Le DVD s'appelle DVDG. Merci, merci DJ Posca. Nos grupamos y vamos a la playa.